Mais oui. Bonsoir. Ok. Allez, on est bon, on s'installe bien. Tidadidida. Ah, on va pouvoir démarrer gentiment. C'est formidable. Bonsoir, 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 bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour si vous êtes dans un coin de cette planète où il fait jour. Vous êtes bien dans Allez Café. La petite émission dans laquelle on parle de NBA. J'espère que vous allez bien. Certains sont peut-être de retour après l'émission d'hier soir. D'autres peut-être débarquent, peut-être pour la première fois même. Pour se taper une petite émission spéciale trade deadline, plein de choses à devoir discuter ensemble. Mais, dames et messieurs, cette date est importante. Pile dans 2 semaines, ce sera la trade deadline, le jeudi 8 février 2024, de l'an de grâce 2024, entre allez, 19h et 22h. Il y aura un énorme live prévu avec Bibi, Léonce à la prod, Simon, Alex, histoire qu'on vive cette grande trade deadline. Moment à mettre tout de suite dans votre agenda. J'espère que vous allez bien. Je vois les copains qui sont dans le chat, là, qui sont juste ici. C'est magnifique. En live pour une fois, eh ben écoutez, vous êtes au bon endroit. On va parler de trade deadline avec toutes les dernières rumeurs. Waouh, on a cumulé pas mal d'infos. Il y a même eu des infos qui ont été breakées aujourd'hui avant Shams Charania et Adrien Wojnarowski. Ah ouais, started from the bottom et maintenant on est là, les copains. Allez, on pourra parler des Wizards tout à l'heure avec un changement de coach qui a eu lieu donc dans l'après-midi, puisqu'apparemment maintenant, un changement de coach, ça se fait entre 16h et 19h. Vous êtes bien dans Allez Café, on va parler de plein de choses. Donc bonsoir à toutes et à tous. Je vous ai réservé quelques petites infos d'actualité, vraiment actualité NBA, NBA basket. Et puis ensuite, on basculera sur de la 100% trade deadline. Mon objectif, c'est de vous filer un maximum d'informations à 2 semaines des choses. Bien évidemment, ce sont des informations qui vont être amenées à évoluer. Certains connaissent les classiques, ça fait longtemps qu'ils viennent sur Allez Café ou sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Quand je fais ça, c'est d'abord les infos qui sont récoltées, récupérées, retranchées, recoupées et désaxées et sourcées sur les dernières semaines et les derniers jours. Et ensuite, on essaie de voir si ça se confirme dans le temps. On va voir certains éléments justement dont on a pu discuter. J'essaierai de faire plusieurs updates. Mais mine de rien, pour les copains et copines qui ne le savent toujours pas, ça sera compliqué de faire. Je promets pas qu'il y aura un Allez Café en direct de New York. Mais grâce à un voyage qu'on va organiser, le premier voyage Trash Talk en association avec les équipes de Gate One Voyage, je pars ce mardi à New York avec 70 personnes pour aller voir 2 matchs de NBA sur place et c'est jusqu'à dimanche. Donc ce sera compliqué de faire des Allez Café la semaine prochaine. Même si avec Léonce, on a testé 2-3 setups et peut-être qu'avec ma bécane mobile, ce sera l'occasion de le faire. Donc je vous tiendrai au courant. Mais sinon, ce sera sur les réseaux sociaux, il y aura plein de dingueries qui vont sortir. Bref, ça, ce sera à partir donc de mardi prochain. Je sens qu'on va bien se régaler. On ne perd pas de temps. Soyons polis. Madame, monsieur, bonsoir. Où vous êtes? Est-ce que vous êtes bien placés? Salut aux copains qui sont là. Oh, sa maman, j'ai raté la notif. Ben voilà, vous voici, nous voici, nous voici. Les gens de Limoges dans le coin, salut aux frères et aux sœurs de Montpellier, de Bayonne, de Vannes, de Copenhague. Bien évidemment, de Vanves, ouais, de Quimper, de Mulhouse, de Poissy, de Guérande. On va reparler de Guérande dans quelques minutes. De Meyrieux, du Luxembourg. Bonsoir aux gens de Saint-Blédard-en-Jalles. J'avais même pas que ça existait. De Nouvelle-Calédonie. Toujours plus loin, Trash Dog. De Perth, en Australie, on en parlait hier. De Cholet. Bonsoir à mes amis Choletais et Choletesses. De Bastia. C'est ça, le sang. Tu as compris, Doumé. Du Bénin. Merci les copains et copines du Bénin, bien évidemment, de Châteauroux, de Savoie, de Montlhy, grand classique, de Porto, toujours la commune portugaise qui est en feu, du Québec, de Marseille, bébé, de Sevran, de Corniboeuf, de New York, on arrive, de Bar-le-Duc et de Villeurbanne. Bonsoir aux copains d'Istanbul, de Binche en Belgique, de la Gold Coast en Australie, évidemment. Il y a des gens fans de basket en Australie, le basket qui se développe très très bien en Australie, mais des fans français qui sont là-bas. Des expatriés peut-être, des VIE, des VIA, je ne sais pas, de Varsovie. Pour finir, bien évidemment, Édimbourg, la patrie, évidemment, c'est dans le cœur d'Osgore, de la Maison Alfort et de Toulouse. Bonsoir aux copains et copines de Lille, installez-vous, mes amis de Dublin ou du Pays Basque, tout simplement, et de l'île Maurice. Magnifique, incroyable. Et même du Japon, formidable.
Je vous laisse vous installer. On va donc faire un point un petit peu actu pour commencer et puis trade deadline. Est-ce que vous avez regardé certains matchs hier soir? Est-ce que vous avez regardé le duel entre Chet Holmgren et Victor Wembanyama? Ouh, chiche. On s'est bien régalé hier soir. Il y a eu évidemment des moments assez marquants. On a vu ce duel avec la large victoire du Thunder face à San Antonio. Pas de doute là-dessus. La match-up attendue, c'était entre Chet Holmgren et Victor Wembanyama. Duel individuel plutôt remporté par Wemby, duel collectif évidemment remporté par Chet, toujours dans cette course au rookie de l'année. C'est hyper intéressant, on voit toute l'animosité qu'il peut y avoir quand même entre les deux hommes, du respect, mais on sent quand même que Chet et Wemby, ça se... Hein, ça se rentre dedans. Il y avait déjà eu des premiers matchs en début de saison où Chet avait dit sur les réseaux sociaux « Ouais, lol, il met des coups de boule en pénétration, quoi. » On les avait vus avec Team USA face à la France par le passé. Je pense que ça s'apprécie pas trop, mais ça se respecte. Puis c'est tous les deux gros compétiteurs, donc hâte de voir ça. On a vu les Suns battre les Mavs à Dallas avec un petit pétage de plomb de Luka Doncic. Bon, on va voir. J'ai pas trop compris. Je sais pas, peut-être que certains ont subi l'actualité autour de ce match, mais Luka Doncic qui est sorti... Enfin, qui a pété un plomb. Il n'a pas été expulsé, mais disons qu'il a un peu pété un plomb et que c'est un fan des Suns qui lui a un petit peu rentré dans la tête en lui ayant fait 2-3 petites phrases de trash-talking. J'ai pas tout à fait tout compris, mais j'ai l'impression que Luka, il s'est un peu foiré sur le coup parce qu'il a joué sur le côté « Ouais, le fan a dit un peu des trucs borderline ». Il n'y a pas beaucoup de sources qui ont dit « Nous, on était à côté du mec, il a commencé à sortir des saloperies », excusez-moi du terme. Apparemment, c'était plutôt du trash-talking réel, du style « Mec, il faut que tu ailles perdre du poids et que tu fasses vraiment de la muscu, quoi ». Et bon, j'avoue que Luka Doncic puisse péter un plomb, ça, personne n'est étonné. Que Luka Doncic le prenne personnellement et le prenne mal quand il y a du trash-talking alors que c'est le premier à délivrer, attention. J'espère que ce ne sera pas un historique dont on reparlera dans quelques semaines ou quelques mois en se disant « Bon, attention ». Bref, merci pour le petit sub et bien évidemment, bonsoir à ceux qui s'installent. Dans les autres actualités d'hier soir, évidemment, on a vu l'hommage à Golden State pour l'assistant justement qui nous a quitté, l'assistant de Steve Kerr. On a vu toutes ces actualités récemment qui ont été très compliquées. Je vous invite à revoir le Allez Café dans lequel j'en ai parlé longuement, moment hyper émouvant. C'était beau de voir Golden State faire un bon match et notamment Jonathan Kuminga qui a assuré comme un patron. Détroit a remporté un match de basket. Les Detroit Pistons ont remporté un match de basket, ce qui fait que quand je vous montre le classement, eh bien incroyable mais vrai, les Pistons sont aujourd'hui à 5 défaites. Et surtout, regardez, ils ont ce truc incroyable, il y a marqué W1. Les Pistons sont sur une série de 1 victoire. Et ça, c'est fort. Une victoire à la suite pour les Pistons. Voilà, ils ont battu les Hornets hein, au finish, avec d'ailleurs quelques très très bonnes performances de Monsieur Killian Hayes, parce que souvent il nous envoie des saucisses à droite à gauche et il y a eu des punchlines sur Killian Hayes, mérité parce que parfois il y a des choix de shoot un peu bizarres, mais défensivement, notamment sur du LaMelo Ball et à la distribution, notamment pour du Jalen Duren, ça a été tout à fait solide, donc bravo à nos amis les Pistons qui ont fait le travail et qui s'éloignent au fur et à mesure de ce record all-time. Je rappelle que évidemment il faut essayer de passer la barre des 10 victoires, ça peut être sympathique. On est à 5-39 avec le retour de Montemoris, on va voir si ça se passe. Dans tous les cas, sur le classement, pas de grands changements, vous le voyez, il y a toujours cette bataille-là avec le Thunder et les Wolves qui se rendent dedans. Quelques beaux matchs ce soir, on en reparlera tout à l'heure, on fera une petite partie prono. Mais dans les grosses actualités, pour celles et ceux qui donc viennent d'arriver, je vous rappelle qu'il faut bien le noter. Rappel, la trade deadline, jeudi 8 février 2024, commentez en direct sur Twitch, on sera là avec notamment Léonce, Alex, Bibi et Simon, histoire de vivre tout ça. Petit passage français, juste, je vous fais une petite virgule là d'anecdote un petit peu sur les Français qui sont pas forcément en NBA, mais qu'on aime bien couvrir. Vous avez peut-être été nombreux, certains, à voir Zachary Risacher qui collait 20 points en Eurocup, notamment sous les yeux de Jonathan Givony, qui est donc un expert, draft expert du côté de ESPN. Nous avons une chance beaucoup de plaisir cette saison à avoir notamment Giovanni de la rédaction Trash Talk qui est sur place pour couvrir Monsieur Zachary Risacher en direct de Bourg-en-Bresse, donc de Bourg-en-Bresse, pardon, je crois que je l'ai mal prononcé. Bourg-en-Bresse, c'est ça? Dans tous les cas, on avait vu un match récent où il y avait
les hauts décisionnaires de San Antonio qui étaient dans la place, voilà, on me corrige, c'est Bourque, tout à fait. On avait les hauts décisionnaires du côté de San Antonio qui étaient en déplacement pour voir Zachary Isaché. Pour moi, Zachary Isaché, il est projeté vraiment très très haut dans la draft. Hein. On a vu que certains l'ont même mentionné en premier, deuxième, troisième. Il confirme tout son talent. C'est vraiment un garçon qui est en train de monter dans les esprits des Américains. Et donc, n'hésitez pas à aller suivre tout le contenu qui est fait par Giovanni de la rédaction Trash Talk. Voilà, il y a très régulièrement du suivi qui est fait. Pardon, n'hésitez pas à passer sur le shop. Petite pub, pouf. Et donc, voilà, vous voyez, il y a Giovanni qui nous fait des articles assez fréquemment. C'est du direct, c'est-à-dire que lui, il y est directement dans la salle. Et donc, il a l'occasion de voir de très très près ce qui se passe. Giovanni fait déjà le taf sur Zachary Isaché depuis quelques semaines et ça va continuer tout au long de la saison en montée en température jusqu'à la draft. On a eu l'occasion par le passé déjà de couvrir de très très près Victor Wembanyama. On continue à le faire sur Zachary Isaché. Ça fait plaisir aussi d'être de plus en plus proche de ces prospects français parce qu'on a des très très grands joueurs. On a aussi Nicolas Vrignot de la rédaction Trash Talk qui est plus proche lui de Tidjane Salin je crois pareil on dit, hein. Je vais essayer de m'améliorer, il reste du temps avant la draft, mais je crois que c'est Tidjane Salin et non pas Salone. Tidjane, très grand talent qui est lui aussi attendu potentiellement hein, au premier tour de la draft cette année. Et du coup, c'est à surveiller également. Mais voilà, n'hésitez pas à checker Zachary Isaché. Je vous pose la question, est-ce que vous pensez que Zachary Isaché peut finir premier, être choisi en premier de la draft, genre avoir deux Français numéro 1 de la draft? Ou est-ce que là, c'est un peu tôt et on va attendre notamment la March Madness, tout ce qui se passe en NCAA et d'autres joueurs qui vont rentrer en considération. On sait aussi qu'il y a Alexandre Sarr, hein, dont on va parler dans quelques secondes, qui peut être dans les gros prospects. Mais certains me disent non, Sarr est devant, oui, il est vraiment chaud. Faut voir la March Madness, je suis totalement d'accord. Top 3 au max. Moi, j'ai l'impression qu'on peut dire top 5 au max parce qu'on sait aussi que ce qui se passe en janvier peut très très vite évoluer. Hein. On avait vu d'ailleurs il y a un an, souvenez-vous, hein, Bilal Koulibaly n'était pas du tout projeté top 10, top 15 de la draft NBA et puis il nous a fait une fin de saison complètement dingue dans le siège de Wemby aux Metropolitans et il a fini top 10 de la draft Bilal donc attention, faut bien finir, voilà il y a d'autres noms dont on parlera au fur et à mesure évidemment, tous les copains qui suivent de très très près l'NCAA, d'ailleurs n'hésitez pas à aller checker toutes les personnes de qualité qui font du gros travail et sur la NCAA et sur les jeunes prospects, il y a plein de gens qui font du fabuleux boulot et c'est ça avec l'amour du basket en France. Donc Zachary Isaché à surveiller bien évidemment. Je vous parlais à l'instant de Alexandre Sarr. Eh bien, il est de retour avec les Wildcats de Perth. Et donc, ça, ce sera à suivre puisque lui, Alex Sarr, eh bien, il a fait le buzz sur cet automne 2024. On l'a vu, hein, gros potentiel athlétique du shoot, une intelligence de jeu. Et donc, ce plafond, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Ça va être hyper intéressant à observer dans les prochaines semaines parce que la Ligue australienne produit de plus en plus de joueurs hyper intéressants et on l'a vu ces récentes années avec notamment du LaMelo Ball, du Josh Giddey, d'autres copains qui sont passés évidemment. Et donc voilà, je devais à la base faire une émission spéciale française, certains qui suivent de très très près la Trash Talk savaient que je devais faire une émission spéciale prospect français, il y avait eu des soucis d'internet et ensuite j'ai été rattrapé par l'actu. Les notes, elles sont toujours prêtes, elles sont toujours là. Dès que j'aurai du temps, je ferai une émission spéciale Draft 2024 et jeunes prospects. J'ai accumulé beaucoup beaucoup de notes et de choses ces dernières semaines pour essayer de vous en parler avec le plus de vulgarisation possible et pour vous offrir le plus d'éléments à quelques mois de la draft. Mais oui, c'est un spoiler pour celles et ceux peut-être qui ne sont pas au courant. La France pourrait envoyer encore du très très gros talent sur cette draft et sur les prochaines parce qu'on a notamment des Tidjane Salin, des Zachary Isaché, des Alexandre Sarr et d'autres talents évidemment, pas comme Dadia et d'autres qui vont être mentionnés dans les prochaines semaines en fonction de leur performance. Il y en a un autre, un dernier de français dont je voulais parler parce que pareil, ça a été écrit sur le site de Trash Talk aujourd'hui, Ousmane Dieng qui assure en G-League, on ne le voit pas forcément tout le temps avec le Thunder, c'est-à-dire avec l'équipe A du Thunder, mais ce qui est très important, c'est d'assurer avec le OKC Blue. Et c'est le cas pour Ousmane Dieng qui a envoyé donc encore un match avec 19 points, 7 rebonds, 6 passes et 2 interceptions. Il y a eu du highlight récemment de Ousmane Dieng avec du gros Thomas en pénétration. Bref, OKC continue à développer ses joueurs de talent. C'était un vrai projet et ça reste un vrai projet. Ousmane Dieng, hein, ils avaient même fait des transferts de petits pics pour essayer de monter et avoir Ousmane à la draft il y a 2 ans. Donc, on suivra l'évolution d'Ousmane Dieng dans cette équipe d'OKC qui caracole en tête de la conférence Ouest avec les Minnesota Timberwolves à leur côté. Donc voilà pour les petits Français.
très très hâte de faire cette émission dédiée justement au talent de demain. J'essaierai de trouver le créneau parce que là, je vais pas vous mentir, dans l'agenda, là, il y a de la trade deadline. Ensuite, je pars à New York pendant une semaine, je reviens, c'est la trade deadline. Et ensuite, quand on rentre, il y a tout ce qui est autour du All-Star Game et du All-Star Weekend à Indiana. Donc, j'essaierai de trouver le moment, mais je ne veux pas faire ça n'importe comment. Donc voilà, je vous demande un petit peu de patience et ça va le faire. Breaking news! Évidemment, pour celles et ceux qui ne l'ont peut-être pas, ça y est, Wes Unseld n'est plus le coach des Washington Wizards. Et il va passer du côté du management. Point. Désolé, ce n'est pas une breaking news du style breaking news en direct, mais c'est une breaking news d'aujourd'hui. Wes Unseld n'est plus le coach des Washington Wizards. Alors, petit flex, évidemment, pour celles et ceux qui ne l'ont peut-être pas vu. J'ai eu la possibilité de breaker cette news avant Shams Charania et Adrien Wojnarowski. Trash talk is coming up big. Et donc, voilà, c'était quelque chose qui était un petit peu attendu et discuté ces derniers temps, notamment du fait que à Washington, il y a eu un changement de management il y a quelques mois. Vous l'avez très certainement suivi, ou peut-être que vous en avez rien à foutre parce que ce sont les Wizards. Mais dans les détails, il y a quelques mois, cet été, on a eu un gros changement. On savait qu'il allait en avoir côté des joueurs, avec Kristaps Porzingis, Bradley Beal, pour ne citer que. Et puis, derrière, on a vu qu'il y avait des nouveaux décisionnaires, notamment avec une formation autour d'un ancien assistant GM je suis en train de perdre mes mots. Allez, mon gars du Thunder. Oh là là. Sam Presti, un Thunder. Waouh. J'étais en train de commencer à mélanger mes tuyaux. Sam Presti Thunder, un de ses anciens assistants en formation, qui est donc devenu le dirlo des Wizards, qui a amené dans sa valoche notamment Monsieur Travis Schlenk, qu'on avait vu en construction des Hawks, finaliste de conférence il y a quelques années. Et donc, vous connaissez le classique, lorsqu'un nouveau management débarque, généralement, ça ne va pas être bon pour le coach en place. Parce que lorsqu'un coach est mis en place, c'est très souvent parce que c'est le management qui était en place qui a pris cette décision. Du coup, on a été un petit peu étonné parce que au mois de septembre, eh bien, le nouveau management de Washington avait exercé une option sur Monsieur Wes Unseld et on s'était dit, bon bah tiens, ça va pouvoir le faire pour Wes Unseld. Malheureusement non. Donc Wes Unseld, ça dégage, il ira du côté du management pour rendre service potentiellement, mais c'est très souvent une manière de dire oui, on veut pas totalement te virer, mais en fait on te vire quoi. Donc désolé. Wes Unseld, au revoir, ça veut dire notamment au revoir à l'entraîneur qui dictait les Wizards à donc 7 victoires pour 36 défaites, 5 défaites consécutives. Très clairement, les Wizards pourraient se faire dépasser par Détroit prochainement. S'ils avaient gardé Wes Unseld, ça pourrait clairement foncer dans cette direction. Parce que la série de défaites de record des Pistons a eu lieu récemment, on n'a pas trop parlé des Wizards. Mais la réalité, c'est que Détroit et Washington sont quasiment au coude à coude en termes de dégueulasserie basketballistique. C'est pas pour les mettre inférieurs à des Spurs, des Hornets, des Blazers, des machins, des trucs. C'est juste factuel, les Wizards, c'est atroce. Alors on a un rayon de soleil, il est français, c'est Bilal Koulibaly, je vais en parler dans quelques minutes. Mais c'était très très compliqué de voir Washington jouer au basket. Et c'est cette décision qui a été prise par le management de Washington, c'est donc de se séparer de Wes Unseld. Très bien. On va voir quel coach ils vont mettre en place cet été, parce que là, il va y avoir un coach intérimaire, et ensuite cet été, on aura l'occasion de voir quelles recherches ils vont faire. Moi, je l'ai dit et répété, vous l'avez peut-être vu dans les 30 prix en 30 jours, ou là aujourd'hui sur les réseaux sociaux, je suis à fond dans le wagon Washington, parce que je pense qu'il y a un vrai projet de reconstruction avec des bonnes têtes décisionnaires. Preuve étant, ils viennent de virer Wes Unseld, donc ce sont des types formidables. Et ils viennent de nous mettre l'assistant de Wes Unseld à la tête des Wizards en tant que coach intérimaire, et c'est donc Brian Keefe. Alors, gros kiff pour Brian Keefe, voilà exactement, gros kiff l'intérim, exactement, avec cette jolie tête que vous allez voir de plus en plus. Brian Keefe, pour ceux qui ne le savent pas forcément, je vous invite, je sais pas si je peux avoir... Je vais peut-être vous retrouver la quote tout de suite. Kevin Durant a parlé de Brian Keefe avec des termes hyper élogieux. Voilà, je vous mets notamment la quote là-dessus. Il en parlait tout à l'heure. KD qui a été notamment... vous pouvez retrouver cette petite citation sur le compte de Riley Richards sur Twitter. Bon, il est allé un petit peu loin, Kevin Durant. Mais il parlait de Brian Keefe qui, en fait, à la base, est passé par plusieurs franchises. C'est un assistant qui est notamment passé par San Antonio en tant que coordinateur vidéo. Il a été assistant coach
du côté d'OKC, notamment dans le développement des joueurs, pendant la période où KD y était. Et Kevin Durant a tout simplement lâché, hein, bon, il m'a tout simplement appris tout ce que je sais aujourd'hui, mais c'est un gars qui va rester humble et qui va pas prendre les crédits pour le fait de m'avoir donné tout ça. Donc, je ne dirais pas non plus que Brian Keefe a fait Kevin Durant, voilà, on va se calmer, mais par contre, c'est une vraie bonne décision de la part de Washington d'avoir mis en place là ce head coach, et si ça se trouve, on verra, voilà, il va y avoir plein de jeux de mots, hein. Ça je sens que, allez, tu sais quoi, je sens que vous retenez depuis tout à l'heure, donc Brian Keefe, c'est parti. Je veux voir ce dont le chat est capable. Voilà, c'est kiff kiff, j'ai vu. Le sujet, c'est le nouveau coach des Washington Wizards, qui est donc Brian Keefe. Hein, allez-y. Brian Keefe, aucun lien avec Adam. Parfait, formidable, très très belle référence. C'est la kiffance, voilà. Kiff kiff bourrico, très bien. Qui fera mieux que lieu. Très très bien. Kiff kiff moulinette, parfait. Kiff taras, c'est parfait. C'est kiffant pour Bilal. Kiff you Reeves. Brian qui fait quoi, voilà, le kiff pour Bilal, il met des kiffiers. petite dédicace à ma femme Mimi qui est en direct de Trash Talk. Très bien, c'est exactement ce qu'on attendait sur Monsieur Kiff. C'est Chief Kiff, tout à fait. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, ok, je vois que... Je vois que vous êtes très très doué. Mais c'est ça aussi la beauté de la commu Trash Talk, c'est des gens et des génies dans ce chat, regardez, c'est incroyable. Kiff ta, voilà. Magnifique kiff. Bref, le sujet c'est donc Brian Keefe qui va devenir le coach intérimaire des Wizards. Et peut-être que là, à l'heure actuelle, vous n'en avez rien à cirer, vous vous en carrez absolument. Mais j'attire toute votre attention quand même sur cette décision. Pourquoi ? Parce que il y a quelques jours, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux de Trash Talk, on a relié une information importante qui était la suivante. C'est que Washington a été apparemment assez clair avec les équipes qui les contactent, parce qu'en ce moment, il y a plein de contacts pour les services de Kyle Kuzma, Delon Wright, Tyus Jones, etc. Les Wizards, lorsqu'ils décrochent le téléphone, ils disent « Oui, bonjour, Bilal Coulibaly est intransférable. » C'est quand même formidable. Bilal Coulibaly, il est arrivé il y a pas très très longtemps quand même. Hein. Il a été drafté dans le top 10 il y a quelques mois et il vient de jouer ses premiers matchs de NBA. Et là, bah, c'est dingue, le management dit « Ok, on peut discuter de Jordan Poole, de Kyle Kuzma, de Denis Avdia, de Corey Kispert, Daniel Gafford et j'en passe, mais on ne touche pas à Bilal. » Du coup, comme je le disais tout à l'heure, c'est des nouvelles qui vont dans un très bon sens pour Bilal Coulibaly parce que le management en place a indiqué à la concurrence que Bilal est le seul joueur intransférable du côté de Washington. Salut mon Simon, n'hésitez pas à dire bonjour à Simon dans le chat. Simon ! Lorsque j'entrerai à New York, on va se faire une belle addition et vous serez là pour voir encore des nouvelles masterclass de Simon, bien évidemment. Washington, je vais en parler dans quelques minutes, veut trader pas mal de monde. Et ce même management a viré le coach, donc ce sera très forcément pour mettre un entraîneur qui va faire jouer Bilal Coulibaly. Dans les deux prochaines semaines, Washington va être très actif sur les transferts. Je vais en parler tout à l'heure, mais on a des rumeurs sur Kyle Kuzma, sur Daniel Gafford, sur Tyus Jones, sur plein de garçons. Plein de garçons, même Marvin Bagley qui vient de récupérer, tout, il peut y avoir plein de transferts de Washington, nouveau management, on essaye de faire de la place dans le cap. Je ne serais pas étonné que sur la fin de saison, on puisse avoir du Bilal Coulibaly titulaire. Parce que si tu es le management qui vient de mettre en place un nouveau coach intérimaire et qui notamment a indiqué aux gens que Bilal Coulibaly n'est pas transférable, c'est pas pour le laisser sur le banc. Donc c'est pour ça qu'actuellement, le nom de Brian Keefe n'est peut-être pas très très intéressant pour vous, hein, et je peux le comprendre, parce que c'est pas non plus un kiff. Mais c'est peut-être un coach qui va devenir de plus en plus connu et dont le nom sera répété dans les oreilles et les bouches des Français, parce que bah, qui dit Brian Keefe dit Bilal Coulibaly, voilà, tout simplement. Ça c'était pour les news de Washington, évidemment cet été on verra, peut-être que Monsieur Brian Keefe sera conservé et donc prolongé. On a vu des coachs intérimaires hein, devenir très très forts en NBA. Hein. Frank Vogel, c'est un coach intérimaire du côté d'Indiana qui ensuite a fait ses preuves et est devenu champion avec les Lakers. D'autres coachs intérimaires comme ça ont fait du très très bon travail et sont devenus des coachs en place en NBA. Ça s'est passé plus d'une fois comme ça. Donc ça, c'est pour les petites actus. Voilà. Vogel, on kiffe là. Voilà. Et là, je sens que les gens sont très très chauds. Light the Keefe, parfait. Merci Simon, là c'est Light the Beam la dernière, c'est Light the Kiff aujourd'hui, ça va être très très bien. Je vais faire appel à vos yeux et à vos mains. Quoi ? Je vais faire appel à vos yeux pour une chose simple. Est-ce que vous avez vu le maillot officiel du All-Star Game 2024 ? Regardez-moi ce banger absolu qui a été annoncé par la NBA. Retour aux sources ! Vu qu'on va à Indianapolis, incroyable, j'aimerais une petite note sur 10
Entre 1 et 10, 1 il est dégueulasse, 10 il est magnifique, merci Maxime pour le petit sub. Est-ce qu'on ne serait pas sur un 10 sur 10, est-ce qu'on ne serait pas sur un 1000? Je regarde le chat, ah ouais, on est d'accord, il n'y a rien en dessous du 8. Hein. C'est sobre, c'est simple, c'est efficace. Franchement, je ne suis pas un grand collectionneur de maillots, je préfère d'autres choses dans la vie, tu vois, genre le café par exemple. Mais alors ce maillot, moi je peux l'acheter. Hein. Franchement, trop stylé. Extrêmement stylé de la part de la NBA et de la franchise d'Indiana de mettre en place ce côté un peu rétro, voilà, avec notamment du logo de Jordan, du Kia. Pas de surprise, avec un très joli All-Star et juste une étoile, c'est formidable. Et en plus, on revient au format Est versus Ouest, dont on parlera dans quelques minutes parce qu'on va voir l'annonce des titulaires à 1h du matin. Voilà. Donc je trouve que c'est un grand succès. Et vu qu'il y a eu 2-3 immondices parfois en termes de maillot récemment, je tenais à souligner. J'en profite aussi pour vous dire, je ne sais pas si vous avez vu ça il y a quelques semaines, mais quand même, je suis obligé de le mettre. Hein. Airport, courte, basketball. Est-ce que vous avez vu le terrain de basket qui a été mis à l'aéroport d'Indianapolis? Non mais ça, mais les personnes qui ont eu cette idée, mais extraordinaire. C'est-à-dire que les types quand même, à l'aéroport d'Indiana... En ce moment, pour le All-Star Game qui va arriver, vous voyez, là, il y a All-Star Indy. T'attends ton avion, tu fais un 3-3. Non, mais c'est génial. Mais je sais pas si ça va être un game changer dans les années à venir, parce que tu peux pas non plus faire des 5, des terrains de foot, des trucs de foot américain, etc. Mais franchement, de mettre un petit terrain, get ça, tu passes avec ta valise, tu demandes un petit ballon et tu shootes. Mais en termes de promotion, mais c'est parfait. Tu veux montrer à quel point c'est stylé? Eh ben, voilà. Alors, après, pour le moment, comme ils l'ont dit, on ne touche pas, c'est que du display. Mais je peux pas croire une seule seconde que là, dans les semaines à venir, ils vont pas faire des pick-up games et des 3 contre 3. Hein. Non, mais vous vous rendez compte, il y a des gens qui vont louper leur avion pour ça. Moi, tu me mets ça là, regardez ce banger. Moi, tu me mets ça là, tu me dis, chérie, l'avion part dans une heure. Mais vas-y, on se rejoint. Moi, je prends deux mecs qui avaient un vol pour Madrid... Trois gars qui devaient aller à Belgrade, on fait un 3 contre 3, c'est parti, c'est sûr. Non, non, bête d'idée. Franchement, pour le moment, avec toutes les punchlines qu'on fait ouais, voilà, exactement, tu pues grave dans l'avion après, c'est magnifique. Les gens débarquent transpirants et tout, tiens, les gosses, allez-y. Chérie, tu montes, ou même pas chérie, on fait un one-on-one, ça peut être incroyable. Et je dois avouer que malgré toutes les punchlines qu'on envoie sur Indiana tout au long de l'année, mais c'est beaucoup par amour, hein, eh bien, je trouve que, pour le moment, entre les maillots et ce terrain de basket en aéroport, Indiana est en train de mettre une claquette à la concurrence. C'est formidable. Ils ont Tyrese Haliburton, ils mettent des terrains de basket dans les aéroports, ils ont des bêtes de maillots. Indiana Pacers. Exactement, tu crosses le pilote. Ça peut être incroyable. All-Star Game, pourquoi? Parce que transition, je suis obligé de couper le son, évidemment pour mettre ce gigantesque mème que j'ai envoyé tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Les titulaires sont révélés ce soir à 1h du matin. Rien qu'ici, sur les bords de la Méditerranée, et essentiellement autour de l'embouchure du Rhône, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon, hein? Eh oui, il est bon le sel français, on va le retrouver évidemment dans quelques heures, puisqu'on aura une belle bataille, notamment avec les... résultats qui tomberont donc sur les coups de 1h du mat. J'aurais aimé rester là en live jusqu'à 1h du matin, mais ça va être compliqué. Je sais pas comment je vais faire. Peut-être que je vais faire une pause et ensuite je reprendrai un live, je sais pas. Je sais pas s'il y aura tellement de gens si je fais un live en speed à 1h du matin, quoi. Et surtout pour les titularisations des All-Stars. C'est pas non plus le... voilà. On verra. Je vais rester là dans le canapé et on verra. Non mais ouais, voilà, on sera là, ouais. Alors moi, j'aime bien parce que il y a des gens, ils sont détentes là dans leur lit ou au taf ou je sais pas quoi. Là, vous êtes posés, ils sont là, ouais, t'inquiète. Vous avez juste à écrire oui. Après, ça va rompiche, ça va mais ronronner là dans le canapé. Là, je vous connais, là. Il y en a, je sais très bien, il y en a qui vont répondre à l'appel. Mais il y en a d'autres qui me disent oui. Et là, après, à 1h du matin, on est 13. Mais même pour les 13, je pourrais, tellement je vous aime, que je pourrais faire un live, donc... On verra, je vous tiendrai au courant. Soit j'aurais bougé, soit j'aurais pas bougé.
Je perds le fil de l'information. 1h du matin, ce seront les donc titulaires du All-Star Game qui vont être révélés. Moment toujours très intéressant et très drôle, puisque le sel des fans coule tout au long de la soirée. Je rappelle, bien évidemment, concernant la nomination des titulaires All-Star, que le système est le suivant. 50% du vote final est dicté par le vote des fans. 25% est dicté par le vote des médias. Et les 25% sont dictés par le vote des joueurs. Je rappelle les derniers éléments qui ont été balancés jeudi dernier. On va le faire poste par poste, en tout cas front court, back court dans les deux conférences. Allez, je pense que dans la conférence Ouest, c'est assez acté quand on voit la violence que KD, Jokic et LeBron mettent à la concu. Genre l'écart avec Anthony Davis est monstrueux, je crois pas que soudainement Anthony Davis va rattraper tout ça, même avec les votes des médias et également les votes des joueurs. Donc, on peut s'attendre à LeBron, Jokic et KD, titulaires dans le front de court de la conférence Ouest. Magnifique. LeBron James et KD, plus le MVP des dernières finales et champion en titre. Incroyable. Front de court de zinzin. Sur le poste de garde, je prends une petite lampée. Regardez ce qui se passe. Parce que vous avez un véritable plan à trois. Pour celles et ceux qui connaissent la référence basket, hein, d'émission de basket, entre Luka Doncic, Stephen Curry et Shai Gilgeous-Alexander. Au moment où on parle, j'ai l'impression que pour Luka Doncic, ça va être assez clean. Il est numéro 1 dans les votes des fans, et en plus de ça, il devrait tout à fait avoir l'approbation et des joueurs et des médias. Par contre, entre Steph et Shai, ça va être qui le deuxième garde? Je vous demande à vous. Plutôt Steph, plutôt Curry ou SGA? Allez-y. Simple. Curry ou SGA? Je vous laisse le dire dans le chat. Shai. Ok, waouh. Et en plus, vous savez quoi? Je pourrais blaguer en disant c'est Commu Thunder à fond, mais je pense qu'on est clair. SGA mille fois. Genre la saison de SGA, la saison de Steph. Voilà. Ah non. Ah si, je suis très sérieux. C'est Shai Gilgeous-Alexander et on y va. Moi, pour le coup, vous l'avez vu, j'ai montré les screens de mes votes à plus d'une reprise. Maintenant, les votes sont terminés publiquement. C'est du vote Shai Gilgeous-Alexander. Et donc, je pense que Shai, qui a ce retard, eh bien, pourra très certainement recoller et passer devant Stephen Curry. Je crois que ça va être un assez grand moment pour la commu du Thunder, parce que je ne serais pas du tout étonné si dans deux heures, eh bien, on a Monsieur Shai Gilgeous-Alexander qui est annoncé titulaire avec Luka Doncic. Et ça fera une autre excellente nouvelle dans la saison des Warriors. Bon, après, c'est l'All-Star Game, ça va. Hein. Curry, il a été plein de fois. Mais ils se feront dépasser par le Thunder, et c'est comme ça. Ça rajouterait un peu de piment aussi, hein. Moi, je pense que dans les rivalités, ça peut être pas mal. Surtout quand on se souvient ce que Shai Gilgeous-Alexander avait fait plutôt dans la saison, en overtime, à Golden State. Donc, voilà, ça, c'est à surveiller. Shai qui pourrait justement prendre cette place. Et alors, excusez-moi, mais un 5 majeur, LeBron James, Kevin Durant, Nikola Jokic, Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander... Comment dire, l'Est est formidable, hein, on va en parler, mais le 5 majeur de l'Ouest est d'une violence absolue, sachant qu'après on en reparlera, il y aura évidemment de la sélection à faire par les entraîneurs. Je vais y revenir dans quelques minutes, on continue. Désolé pour James Harden qui a eu quelques très gros votes, mais ce sera un petit peu court pour rattraper tout ça. Par contre, dans la conférence Est, qu'est-ce qui se passe? Eh bien à l'Est, pareil sur le front de courte, pas de discussion. Giannis a plus de votes que tout le monde sur la terre entière. Il sera avec Joel Embiid et Jason Tatum. Voilà. Giannis, Embiid et Tatum, c'est fortiche, c'est magnifique. Boom. On va pouvoir compter sur ce front de courte. Désolé Jimmy Butler, désolé Jalen Brown, désolé Kristaps et même Bam et Paolo Banchero et Paddy Patata. L'écart est énorme. C'est-à-dire qu'en gros, à l'Ouest, sur le front de courte, quand même, hein, derrière ce trio, t'as des AD, des KD, des Sengun et des mecs qui font des saisons de zinzin. À l'Est, no disrespect, mais il y a vraiment Giannis, Embiid, Tatum et ensuite, il y a un drop. Voilà. On en reparlera notamment sur les remplaçants. Chez les guards, je pense que pour Tyrese Haliburton, c'est une affaire qui est tout à fait réglée. Par contre, regardez-moi cette belle bataille qu'il y a pour le deuxième poste de titulaire. Regardons ça de plus près. Trae Young, pour le moment, qui a un avantage sur Damian Lillard et Donovan Mitchell au niveau des votes des fans. Par contre, ça ne compte que 50%. Est-ce qu'on n'aurait pas une fabuleuse remontée de la part de Donovan Mitchell et Damian Lillard concernant les votes des joueurs et des médias? Je rappelle que l'année dernière, il y a un sondage qui est sorti
auprès de plusieurs joueurs anonymes patati patata, où Trae Young était considéré comme le joueur le plus surcoté de toute la NBA, par ses propres pairs. Ça fait mal. Donc je ne sais pas si Trae Young aura ce net avantage pendant très longtemps. Il y a Tyrese Maxey et Jalen Brunson, évidemment, qui sont dans la course, mais vous voyez quand même que les votes, ça compte pour 50%. Ça compte pour 50% quand même. C'est énorme. Je sais, Jalen Brunson, en soi, si on fait du niveau pur, hein, moi, je mets Tyrese Haliburton et Jalen Brunson, basta. Ce sont les deux titulaires pour moi sur les postes de garde dans la conférence Est. D'ailleurs, on a fait une émission complète avec Alex, vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube. Mais il faut prendre en considération ce système de vote. Je pense que Tyrese Haliburton va être le garde titulaire. Et à ses côtés, c'est parti. Envoyez là dans le chat. Vous mettez qui? Vous mettez Maxey, Brunson, Mitchell ou Lillard? Moi, je pense que c'est assez ouvert. Hein. C'est assez ouvert, notamment pour Damien Lillard et pour Donovan Mitchell. Qu'est-ce qu'on me dit? On met du Maxey, Mitchell, Brunson. Maxey, Mitchell, Brunson. Bon, il y a très très peu Lillard. Merci Traquito pour le petit sub. Cœur. Je pense que ça va être très intéressant de voir ce qui peut se passer au niveau de Donovan Mitchell, Tyrese Maxey et Jalen Brunson. Surtout que, pour ceux qui ne sont pas au courant des décalages que ça peut créer, regardez à quel point c'est important pour Trae Young. Si Trae Young est titulaire, il a sa place et derrière, les coachs vont devoir se battre avec 4 spots potentiels de garde, c'est-à-dire 2 gardes remplaçants et potentiellement 2 wildcards qui peuvent être des gardes. Donc du coup, je ne sais pas si c'était un peu rapide, mais tu peux avoir derrière des gars comme Lillard, Mitchell, Maxey et Brunson qui peuvent être choisis. Bon, c'est comme ça. Le problème, c'est que si Trae Young, là, il apprend là dans quelques heures qu'il n'est pas titulaire All-Star, eh bien, je pense que lorsqu'il va être à la bataille avec certains, moi, j'aime beaucoup la saison individuelle de Trae Young, on n'en parle pas assez, il est trop fort, il a fait des progrès en défense, il essaie de développer un petit peu son leadership, même si c'est compliqué à Atlanta vu le bordel. Eh bien, désolé, mais là, ça se peut qu'un mec comme Trae Young regarde une nouvelle fois le All-Star Game à la maison. C'est possible. Pour moi, il évolue à un clair niveau de All-Star, mais oh, Trae n'a pas le niveau de All-Star cette saison. Oh, c'est dur. Ah, moi, j'entends tous les avis dans le chat, mais Trae Young, oui ou non? Alors, vous savez quoi? Je vous pose la question. Oui ou non, Trae Young a un niveau de All-Star cette saison? Oui ou non, vous me dites. Franchement, je comprends. Il peut énerver Trae Young, je suis d'accord. Il peut énerver, il peut avoir des comportements parfois un peu compliqués, mais... Fuck! C'est quand même un mec qui est à... je sais pas combien, là encore, les stats, plus le taf de zinzin qu'il essaye de faire, et le développement qu'il essaye de faire, notamment en défense, et le taf de zinzin qu'il fait à la création. Putain, il y a 27 points et on se passe de moyenne, quoi. Calma. Mais après, je sais que parfois, je suis pas objectif, c'est un chouchou, donc bon, bref. Allez, on va dire Tyrese Haliburton, et moi, je pense que Donovan Mitchell va finir titulaire. Voilà. Je pense que ça va se finir avec Donovan Mitchell et qu'il fait une très très grosse saison avec les Cavs, que là il est hyper fort dans les récents très bons résultats de nos amis de Cleveland. Donc je pense que la remontada va être un petit peu short vu le système de vote pour Maxey et pour Brunson. Mais par contre, moi ça me dérange pas si c'est ou Trae Young ou Donovan Mitchell, j'ai un peu plus de mal si c'est Damien Lillard. Parce que du coup Damien Lillard, pareil, hein, c'est comme Trae Young, hein. Si Damien Lillard n'est pas titulaire là, moi, je peux comprendre qu'il y ait des coachs qui vont faire « Bah, mec, Damien Lillard, Jalen Brunson ou Tyrese Maxey, bah, je prends les deux premiers, en fait. Enfin, je prends Maxey et Brunson, et toi, je te mets sur le côté. » Bref, rendez-vous à 1h du matin pour le reveal de ces petites stars. Je vais pas vous mentir, je pense que ça va être compliqué de faire un live parce que derrière moi, il y a beaucoup de trucs de taf et il faut que je puisse gérer notamment la préparation du voyage à New York qui va venir. Mais je serai là sur les réseaux sociaux pour assurer au maximum. Je vous fais pas de promesses. Je vais essayer, mais si je peux pas, je serai parfaitement franc avec vous. Et oui, je sais, oh, mais je peux pas non plus tout faire. Déjà que là, il va y avoir une grosse émission. Ça fait 40 minutes qu'on a commencé, j'ai même pas pu encore parler de trade deadline. Bref, on va pouvoir enchaîner justement. Je vais prendre une petite lampée et on va pouvoir se faire cette session spéciale trade deadline où je vais faire un point d'abord sur toutes les informations, plus derrière les informations additionnelles sur les franchises dont je pourrais pas parler trop en détail. Dernière info que j'ai pas dit là pour le All-Star Game, les titulaires sont annoncés ce soir. Si je dis pas de conneries, jeudi prochain, les remplaçants sont annoncés.
Donc là, il y aura 5 titulaires de chaque côté et ensuite, il y aura 7 remplaçants annoncés par nos amis. Les... Bon, c'est pas une Vosges bombe, mais je peux vous la mettre quand même. Vous avez vu ou pas? C'est pas... Moi, pour moi, c'est pas une Vosges bombe, mais je vous la mets quand même parce que voilà... Allez, on fait les news en direct. Allez, est-ce que vous connaissez Ben Simmons? Ouais. Ouais, tu sais quoi? Hop là. Point. Ben Simmons, alors laissez-moi le lire en même temps que vous là en direct. Après s'être entraîné avec l'équipe de G-League des Nets ce week-end, il y a un optimisme réel pour que Ben Simmons retourne sur les parquets. Minimum ce lundi, enfin au top du top, ce serait ce lundi contre Utah. Simmons n'a pas joué depuis le 6 novembre à cause d'un souci nerveux dans le bas du dos. C'est pour ça qu'on m'emmerde ? C'est avec ce genre de notif que vous voulez m'emmerder ? Voilà. Je crois que Ben Simmons a le plus de « almost back », »,« presque ready », »,« soon to be back », »,« bientôt de retour ». Le mec, il a tout... Le mec, c'est... Et je lui souhaite de ne plus avoir de soucis de santé, mais franchement, c'est... Franchement, c'est Need for Speed, quoi. Need for Speed 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la famille et tout. Ouais, c'est... Ouf. C'est compliqué. En tout cas, on espère que, voilà, que Ben Simmons pourra revenir. Allez, je vais enlever ces petites news. On va passer en mode trade deadline. Donc, trade deadline. Je vous balance les informations. Celles et ceux qui ont des questions... Vous les conservez, tout à l'heure, je pourrai y répondre, notamment sur les franchises dont je ne parle pas en détail. Mais là, je vous laisse un petit peu là dans le chat, j'observe immédiatement, mais que vous soyez en replay sur YouTube, je vous fais des bisous, ou là en direct, vous êtes hyper nombreux, ça me fait grave plaisir. On va pouvoir partir. 3, 2, 1, top chrono. Donc je vous donne tous les détails, en plus de ces petites tweets que j'ai pu balancer, parce que c'est l'idée de cette émission, c'est que vous repartiez avec les meilleures informations. Alors. Déjeuner Murray aux Lakers, c'est aujourd'hui plus que probable. Los Angeles est désormais en pole position pour récupérer le guard d'Atlanta. Les discussions vont s'intensifier dans les prochains jours jusqu'au 8 février autour du package qui sera envoyé en retour. D'Angelo Russell semble sûr, c'est-à-dire d'être inclus dans ce package en retour. Il y a des questions autour de Jalen Hood chez Fino également et un futur pick de draft. On sait que les Lakers, ils ont notamment leur pick de draft 2029. C'est une affaire à suivre. Alors, vous le savez depuis... Je donne toutes les infos. Vous le savez, depuis quelques semaines, on parle de Dejounte Murray qui fait partie des joueurs les plus probablement transférés. Hier soir, j'avais terminé l'émission en vous disant notamment que Dejounte Murray, selon moi, était le prochain gros transfert. C'est quasiment sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux me permettre de le dire, je pense que c'est plus une surprise si Dejounte Murray ne finit pas aux Lakers que s'il y est. Voilà. Je pense qu'on est suffisamment avancé entre Lakers et Hawks pour qu'il puisse avoir ce transfert. C'est pas une histoire notamment de préférence, c'est juste qu'on en est là. Notamment parce que c'est pas mal recoupé par plusieurs sources, que c'est un train qui est en train de bien s'accélérer et que, comme je le mets mot pour mot, parce qu'il faut faire attention au wording, les Lakers sont désormais en pole position pour récupérer Dejounte Murray. Je réexplique le contexte. Atlanta essaye de se séparer de Dejounte Murray. Et ils sont dans un monde où ils essayent de récupérer un maximum de talent en échange. La situation est la suivante. Atlanta a notamment envoyé 3 picks de draft à San Antonio en échange de Dejounte Murray. Et donc, ils aimeraient récupérer un maximum d'assets en échange. Pourquoi est-ce que je parle de Jalen Hood-Chifino? Parce qu'en l'état, Jalen Hood-Chifino, il représente un pick de draft. C'est un joueur qui a été drafté dans le top 30, top 25 à la dernière draft par les Lakers. Top pick 15, 16, je vous laisse me dire dans le chat. Pick 17, je ne sais plus, là, autour des Raime Jaquez, etc. Je sais plus. Pick 18, formidable, merci. 18e choix de draft, monsieur Jalen Hood-Chifino, par nos amis les Lakers. En tout cas, là, on me dit 18 dans le chat. Je vous laisse confirmer. Bon, bref. 17, juste avant Raime. Et ben voilà, 17. Très bien. Si on m'a dit 18, c'est pas grave. Ce sera 17. Donc, aujourd'hui, les Lakers sont en pole position pour le récupérer. On est dans les années, malheureusement, dernières de LeBron. Et donc, il y a des tests qui ont été loupés, notamment le test Russell Westbrook, comme on s'en souvient bien. Par contre, on le sait aussi, c'est qu'il y a besoin toujours de création derrière LeBron et qu'il y a cette nécessité
d'être le plus compétitif possible. Et donc, il y a le sentiment, côté Los Angeles, de pouvoir récupérer un joueur du niveau de Dejounte Murray sans avoir à trop lâcher en échange. Ça veut dire quoi, sans trop lâcher en échange? Ça veut dire que, comme je l'ai dit dans un tweet suivant, eh bien, aujourd'hui, Austin Reaves, c'est un joueur qui est considéré comme quasi intouchable côté Lakers. Pourquoi? Parce que c'est pas une question de niveau de jeu, hein. Austin Reaves, même si le contrat a été bien négocié cet été, c'est pas un mec qui est candidat All-Star. Par contre, c'est un mec qui est très solide en sortie de banc, qui peut aider évidemment en tant que titulaire, et qui est un pur produit formation Lakers, hyper adoré par le management et notamment par les fans. Et donc du coup, pour le management dirigé par Opelinka et évidemment avec au-dessus de lui Ginny Buss, c'est compliqué aujourd'hui d'intégrer Monsieur Austin Reaves dans le package. On va pas se mentir, Atlanta essaierait, je parle bien à la conditionnelle, hein, d'intégrer notamment un Austin Reaves dans le package. C'est-à-dire qu'il force en disant « Ah mais les gars, D'Angelo Russell et Jalen Uchifino plus un pic, c'est sympa, mais on vous lâche quand même Dejounte Murray, qui a des années de contrat, c'est safe, vous rassurez LeBron, vous envoyez un beau message à LeBron et Heidi. Lorsque Darvin Ham ne sait pas quoi installer, bah t'as quand même du Dejounte Murray qui est, on peut dire ce qu'on veut, mais qui est quand même un joueur fort, avec du gros shoot à mi-distance, il vient d'assassiner Orlando et Miami en l'espace de 48 heures. Il y a des énormes incertitudes défensives, parce que Dejounte Murray, c'est un joueur qui avait une très belle réputation en début de carrière, et qu'à Atlanta, ça n'a pas du tout fait le travail. Par contre, dans un environnement compétitif, Dejounte Murray peut très très vite redevenir un joueur fort défensivement, et c'est peut-être sur cette promesse que ça pourrait bien se passer. Côté Lakers, donc, il semblerait y avoir une évidence. Tu peux récupérer Dejounte Murray et ça te rapproche un peu plus du statut de contender que lorsque tu vas essayer de chercher d'autres joueurs dont j'ai pu parler, comme par exemple, je vous les mets là, du Gary Trent Jr., du Dorian Finney-Smith et du Royce O'Neal, sur qui notamment les Suns sont également. Alors, on peut être en désaccord là-dessus. Moi, je peux comprendre qu'il y ait des fans et des observateurs qui me disent « Mais attends, Bastien, je comprends pas. Ils ont les mêmes mecs que la saison dernière quand ils sont allés en finale de conférence. On pourrait avoir le retour de Gabe Vincent. Pourquoi on se stresse là ?» Et c'est tout à fait une question légitime. Et si ça se trouve, la réponse, ce sera « Les Lakers ne vont pas faire de transfert. » J'ai du mal à y croire, parce que c'est pas comme si les Lakers, là, ça cartonnait dans tous les sens. Mais il y a quand même un scénario qui existe, que Darvin Ham a pas mal tabassé ces dernières semaines, qui est de dire « Les gars, cet effectif, moi je veux l'avoir à 100% niveau santé, et si vous me donnez la possibilité d'eux, bah en playoff on pourra faire des belles choses, notamment retourner minimum en finale de conférence. » Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir potentiellement des petits ajouts du type Gary Trent Jr., parce que tu as besoin de shooters, parce que l'attaque des Lakers n'est pas du tout au niveau élite. Tu peux avoir du Dorian Finney-Smith qui ajoute de la défense, du 3 points et un bout d'expérience, et du Royce O'Neal qui a un bout de 3 points de défense et d'expérience. Mais en l'état, le meilleur moyen, notamment de s'assurer que tout se passe bien avec LeBron, c'est d'avoir un garçon comme Dejounte Murray, avec qui il s'entend très bien. Côté Atlanta, pourquoi est-ce que tu ferais ça? Encore une fois, je vous donne tous les éléments. Parce que, évidemment, Dejounte Murray, je le rappelle pour celles et ceux qui n'ont pas tous les éléments, eh bien, c'est un transfert de Dejounte Murray entre Spurs et Hawks qui a été fait par l'ancien management, qui était dirigé par Travis Schlenk. Sachant que ce n'était même pas Travis Schlenk qui avait fait ce transfert, mais qu'il avait été un petit peu menotté par le fils du propriétaire, Monsieur Ressler. Et donc du coup, quand Landry Fields et Kyle Korver sont devenus les nouveaux dirigeants d'Atlanta, l'association Dejounte Murray plus Trae Young, pas sûr. Ce qu'ils ont juste fait, c'est qu'ils ont menotté Dejounte Murray avec une prolongation de contrat pour garder ce contrat afin de le retransférer derrière. Preuve étant, ils ont mis une prolongation cet été et il est quasi transféré dans les jours à venir. C'est pour ça qu'à Atlanta, il veut y avoir ce changement au niveau de l'association Trae Young Dejounte Murray. Alors, dans les faits, ce n'est certainement pas avec D'Angelo Russell plus Jalen Uchifino que tu vas être mieux barré. Par contre, pour un nouveau management qui essaie de s'en sortir, tu sais très bien quel est ton plafond avec l'ossature actuelle. Trae Young, Dejounte Murray, Jalen Johnson et tous les clowns là qui sont à Atlanta en ce moment, hein, désolé, c'est pas contre eux, mais c'est juste, en gros, c'est la bande à Basile, quoi. Ça va nulle part. Enfin, là, il y a eu très peu de problèmes de santé, il y en a eu 2-3, hein, mais il y a eu quand même peu de problèmes de santé, et tu galères à être une équipe de play-in. Alors qu'il y a Quinn Snyder qui essaie justement d'imposer des choses. Donc, du côté d'Atlanta, l'idée c'est de récupérer des picks de draft et d'avoir un D'Angelo Russell qui, par la suite, va libérer de la place dans le cap space, mine de rien. Parce que c'est un joueur qui va être bientôt en fin de contrat. Il a été signé là, pour pas très cher, par les Lakers cet été, c'était un assez bon deal. Mais ensuite, tu pourrais continuer à le transférer. Parce que pareil, D'Angelo Russell, peut-être qu'il y a des équipes qui ne le veulent pas, mais Atlanta serait tout à fait capable, à la draft, par exemple, de le retransférer contre un pick. Et donc l'idée, ce serait à la fin d'avoir quasiment 3 picks de draft en échange de Dejounte Murray. Donc voilà ce que ça donne pour cette première rumeur, c'est Dejounte Murray aux Lakers. Je vous pose la question à vous,
Est-ce que, oui ou non, est-ce que les Lakers font une erreur à vouloir faire ce transfert? Côté Lakers, pour vous, oui ou non, est-ce que c'est une erreur? Erreur, oui. Pas erreur, non. Je regarde un petit peu là dans le chat. Non, c'était pas une erreur. Ouais. Oui, non, on est sur du 50-50? On est sur du... On est même... J'ai l'impression que les gens sont plutôt chauds sur le trade. Hein. Côté Lakers, c'est gagnant. Oui, je peux comprendre. Pour les Hawks, c'est perdant. Je comprends aussi tout à fait, hein, c'est clair. Mais est-ce que le fit est idéal? C'est ça qu'il faudra voir. Parce que normalement, on le sait, hein, avec LeBron et Heidi, ce qu'il faut, c'est des snipers dans les corners. Et Dejounte Murray est capable de mettre des 3 points, mais sniper, on verra. Il peut avoir des coups de très très chaud et des coups de très très moins chaud. Donc, dans tous les cas, vous avez l'air plutôt confiant pour les Lakers. On va voir, c'est peut-être pour ça, si vous, ça vous semble évident ce trade, qu'il aura lieu dans les jours à venir. Dans tous les cas, Austin Reeves, ce sera à surveiller. S'il est intégré dans un deal, eh bien peut-être que là, ce sera un peu plus équilibré pour Atlanta. Mais donc, comme j'en ai parlé là en fin de soirée, quand je disais que c'est une affaire à suivre, c'est que à suivre, ça veut dire quelle va être la troisième équipe qui va entrer dans le trade. Parce que le travail qui a lieu actuellement entre Atlanta et Lakers, de ce qu'on a pu voir et de ce que je sais notamment, c'est qu'il y a cette attente d'une troisième équipe pour faire un deal un peu plus global et pour éviter justement que Atlanta se retrouve complètement déplumé, excusez-moi pour cette blague de mauvais goût vis-à-vis des Hawks. Donc, ce sera très certainement un trade à trois équipes et qui va récupérer quoi, on le suivra dans les prochains jours. Donc voilà pour la première petite rumeur. Et donc, comme je le disais, si le trade n'a pas lieu, mais ça n'a pas l'air d'être le cas dans les prochains jours, eh bien, il y aura du Gary Trent Jr., du Dorian Finney-Smith et du Royce O'Neal à devoir surveiller. On enchaîne, petite lampée, on va partir du côté de Sacramento. Kyle Kuzma aux Kings. Mon cher Simon, la piste pourrait s'accélérer très très vite. Alors oui, comme des copains des Kings l'ont dit, c'est une affaire qui a été liée il y a quelques temps. Maintenant, c'est une question de timing lorsqu'il faut l'annoncer. Et donc forcément, Kyle Kuzma avec les Kings, c'est une piste qui pourrait très très vite s'accélérer. Là, moi je serais pas du tout étonné que dans les prochains jours, ce soit un deal qui tombe. Aujourd'hui, Washington, on l'a dit, il y a eu un changement de coach. Ils ont envie d'une chose, c'est de récupérer un maximum d'assets contre leurs joueurs. Je vous parlais là de Dejounte Murray qui a été prolongé cet été. Qui a été prolongé cet été par les Wizards? Kyle Kuzma, histoire d'avoir son bon contrat et d'être une pièce extrêmement intéressante sur le marché des transferts. Du coup, Kyle Kuzma pourrait être transféré à Sacramento, notamment contre des picks de draft, parce qu'on le sait, à Washington, vu qu'on est dans un rebuild et qu'il va y avoir beaucoup de joueurs à échanger, notamment du Jordan Poole, du Daniel Gafford et compagnie, Tyus Jones, dont on parlera dans quelques minutes, eh bien, il faut être dans un rebuild. Et donc, rebuild, ça veut dire reconstruction, ça veut dire flexibilité, ça veut dire pick de draft. Du coup, Washington négocie fort en ce moment pour obtenir des vrais assets, notamment 1 à 2 picks de draft. C'est quand même cher payé, on va pas se mentir, Kyle Kuzma de picks de draft, parce que c'est pas non plus un level all-star, etc. Il a une bague, c'est formidable, il y a les contenders qui le veulent, parfait. Mais donc, pour Washington, on va voir ce que ça donne. Mais ça négocie fort, parce qu'ils le savent, il y a beaucoup de gens qui veulent Kyle Kuzma, il a fait des beaux progrès. Et il fait une assez bonne saison du côté de Washington. Aujourd'hui, à Sacramento, c'est une situation qui est assez particulière, parce que, sans vouloir utiliser ce terme à outrance, les vibes ne sont pas dingues à Sacramento. Ça ne veut pas dire que le groupe ne vit pas bien, ça veut dire que par rapport à la saison dernière et ce qui s'est passé avec Light the Beam, etc., on n'est quand même pas tout à fait dans le même mood. Et donc, on le sait notamment que pour des gars comme Harrison Barnes, eh bien ça fait plus la gueule qu'autre chose, en tant que bon professionnel qu'il est, pour essayer de se faire un avenir ailleurs. Donc Harrison Barnes fait partie des joueurs transférables. Je ne pense pas que ça équivaut à un pic de draft, mais Sacramento va essayer de faire manger la salade à Washington. Mine de rien, le contrat d'Harrison Barnes, il est important parce qu'il permet d'égaler, ou en tout cas de se rapprocher, du contrat de Kyle Kuzma, donc il faut un certain équilibre salarial. Kevin Huerter fait partie aussi des rumeurs de transfert, puisque c'est un garçon qui a très très bien shooté par le passé, qui avait bien démarré sa saison au shoot, mais qui aujourd'hui se retrouve en difficulté et pas aussi bien dans la rotation que c'était le cas par le passé. Compliqué pour monsieur Kevin Huerter. Enfin, Davion Mitchell fait partie des joueurs disponibles du côté de Sacramento parce que même s'il y a du talent, bah tu peux pas lâcher beaucoup de jeunes. Et peut-être que tu peux du coup négocier en disant « Écoute, je te donne un pick de draft plus Davion Mitchell. » Donc en gros, un mec qui a été drafté il y a pas longtemps et qui a encore du potentiel inexploité. Donc c'est en ça que ça va être intéressant de suivre dans les prochains jours. Comment est-ce que Sacramento et Washington naviguent autour de ces rumeurs? Juste, moi ce que je peux affirmer sur Safe, tranquille, League Source et le Trash Talk, c'est que Washington et Sacramento, ça taffe sur le transfert Kyle Kuzma.
Voilà. Maintenant, on va voir jusqu'où ça va aller, mais ça taffe, ça a déjà taffé par le passé, et c'est en train de taffer dessus. Donc, ça va être hyper intéressant à voir dans les prochains jours, notamment parce que Sacramento, bah, s'ils ajoutent Kyle Kuzma, D'Aaron Fox, Malik Monk et Domantas Sabonis, je sais pas si ça gagne le titre, mais par contre, on va se marrer, et il y a des équipes à l'ouest qui vont un petit peu transpirer. Parce qu'aujourd'hui, Sacramento, je vous le remonte au niveau du classement, bah, les vibes sont sympas, mais aujourd'hui, est-ce que t'es sûr de faire les playoffs? Pas sûr. Les Lakers, si ça remonte un peu, bonjour. Les Mavs, si ça retrouve leur flow, bonjour. Alors, il y a des équipes qui peuvent chuter aussi, hein. Mais je vois que les gens se foutent de la gueule de Jordan Poole. On met quoi? Jordan Poole en Coupe des Landes. Oui. Jordan Poole en N2. Poole au pot. Ouais, tout ça fait. Poole est prêt au cirque. Bon, Jordan Poole, c'est compliqué. Je vais pas vous mentir, je suis assez d'accord avec vous. Mais il y aura un transfert à venir. Si les Kings récupèrent Kyle Kuzma, vous les mettez top combien à l'Ouest? Je veux un chiffre. Simple. Ça me permet de boire en plus. De l'eau. Parce que le café était déjà passé. On dit top 6. Bon. Moi je trouve ça safe. J'aime bien. Même place, on me dit. Putain, bah s'ils font ce trade et qu'ils sont à la même place, ça va être fun. Mais par contre, en termes de contrat, c'est pas mal parce que Kyle Kuzma, vu que du coup il est sur contrat long terme, eh ben à Sacramento, tu prends pas un énorme risque. Tu lâches quelques pièces, notamment Harrison Barnes, mais tu permets aussi à Keegan Murray de bien se développer. Keegan Murray, Kyle Kuzma, Domantas Sabonis, D'Aaron Fox et qui voulait en poste 2. Franchement, je dis pas que défensivement ça va être une dinguerie, mais alors en attaque pour arrêter ça, ça peut être très très chaud. Et puis en effet, pas très cher. Moi je pense que Sacramento va essayer de finir le deal. Et on pourra le dire que ce sera notamment cold quelques jours plus tôt. Donc voilà, à surveiller du côté de Sacramento et de Washington des deals à venir. Parlons baguette, parlons français. Evan Fournier, je vous en parlais il y a quelques jours dans un LA Café spécial trade deadline. À l'heure actuelle, il est plus probable qu'autre chose que Evan Fournier soit transféré. Je préfère le redire encore une fois face caméra. Le scénario le plus probable, c'est que Evan Fournier soit transféré d'ici le 8 février à venir. Donc je pense que, notamment quand je serai de passage à New York, avec quelques copains qui sont peut-être dans le chat, eh bien peut-être que Evan ne sera pas là. Voilà, ça sera un peu compliqué. Ceci étant dit, il existe aussi un scénario dans lequel M. Evan Fournier sera toujours à New York le 9 février. Bastien, j'ai l'impression de t'entendre dire ça depuis 3 ans. Eh oui, mais là, vous allez comprendre un petit peu la logique derrière notamment cette info que je viens de balancer. C'est qu'aujourd'hui, Evan Fournier... Attendez, je vais même vous mettre les chiffres sous les yeux, comme ça, vous allez pouvoir kiffer vos res. Salaries, Knicks. Excusez-moi, hop, je fais ça comme ça, vous avez tout sous les yeux. voici les 1, 2, 3, magie. Merci pour le petit sub. Voici les salaires des Knicks. Aujourd'hui, Evan Fournier, il est payé 19 millions de dollars pour végéter sur le banc des Knicks. Désolé, Evan. Et ensuite, il a en bleu ici une team option à 19 millions de dollars. Pourquoi je vous ai parlé notamment de cette histoire de Evan qui pourrait rester chez les Knicks le 10 février? C'est parce que les Knicks se dirigent beaucoup plus cet été vers un big move pour avoir une superstar. Je sais, depuis des années, il y a du foutage de gueule sur les Knicks superstar, les Knicks ceci, les Knicks cela, les Knicks machin. Moi, je vous le dis, j'y crois réellement pour cet été. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a eu de foutage de gueule, c'était les anciens management. Et s'il y a bien une chose qu'a fait le nouveau management en place, ce sont des smart moves. Jalen Brunson, pas cher payé. OG Anunoby, un vrai 3&D défensif avec un bête de profil fait pour New York. Tu as conservé certains, Mitchell Robinson, et tu as notamment permis à d'autres de bien se développer. On le voit avec Miles McBride notamment et Isaiah Hartenstein. Et donc du coup, il va falloir aller chercher de la superstar parce qu'on s'est tous mis d'accord là en discutant ces dernières semaines, Jalen Brunson, c'est pas l'option numéro 1 d'une équipe qui va aller chercher le titre. Par contre, Jalen Brunson, bras droit d'une superstar, putain, tu vas commencer à faire flipper un max d'équipes dans la conférence Est. Je ne sais pas quelle est une superstar, mais pour l'obtenir, il faut être capable de faire un transfert. Et pour faire un transfert, il faut notamment avoir des salaires qui vont de l'autre côté. Evan peut aider en ce sens. C'est-à-dire que s'il dépasse le 10 février en étant toujours sous le maillot des Knicks, je ne serais pas étonné qu'on se retrouve à la draft et que les Knicks disent « Incroyable mais vrai, on a pris la team option de Evan Fournier à 19 millions de dollars. Voilà, il va rester chez nous. » Et en fait, il va rester chez nous tant qu'on n'a pas trouvé la superstar qui sera en échange. Donc en gros, Evan, c'est simple. Soit il est à New York et c'est une pièce d'échange, soit il n'est plus à New York et il va rejouer au panier ballon. Voilà comment je peux le résumer.
Et donc oui, en effet, Julius Randle, certains le mettent dans le chat, pourra lui aussi rentrer dans les négociations de contrat et surtout de transfert s'il sent que ça se passe mal ou si le management dit « Écoute, Julius, t'as été formidable, mais en fait, l'heure, c'est de bouger. » Donc voilà pour le feuilleton Evan Fournier. En tout cas, je le répète face caméra, je pense que le scénario le plus probable, c'est qu'Evan Fournier sera transféré d'ici le 8 février. Basta. Voilà. Côté Thunder, s'il y a des fans du Thunder qui sont là dans le chat, bien évidemment, à l'heure actuelle, il est plus probable qu'autre chose que Davis Bertans sera transféré. On le sait, hein, Davis Bertans, c'est un petit peu un poids mort dans le salary cap du Thunder, hein, pas trop utilisé par Marc Desnoyers. Et il y a la possibilité toujours de récupérer un petit asset ou deux de la part de Sam Presti. Le Thunder peut être compétitif, le Thunder peut aborder les playoffs en se disant « Les gars, on est trop fort ». Et donc peut-être que ce sera l'occasion de rajouter de la viande, de la viandasse. Parce que à l'heure où on parle et au jour d'aujourd'hui, j'adore Chet Holmgren. Vous l'avez vu, j'en ai parlé peut-être dans les grosses satisfactions de ce début de saison. Je suis trop in love de ce joueur et de son profil. Par contre, saison rookie, Chet Holmgren qui va devoir batailler avec des mecs de l'Ouest comme, je dis n'importe quoi, Yusuf Nurkic physiquement ou Nikola Jokic, sans parler des autres garçons qui sont intérieurs comme des Ivy Kazubak ou d'autres, genre Rudy Gobert, il faut du backup. Et à OKC, désolé, mais en termes de viande derrière, merci Damser pour le petit sub, allez café comme dirait l'autre, tout à fait, eh bien, il faudra ajouter de l'aide. C'est en ça que M. Kelly Olynyk pourrait représenter une piste. Je ne serais pas étonné qu'un gars comme ça puisse se retrouver à OKC dans les prochains jours. Bref, voilà. Il n'y a pas non plus énormément de rumeurs côté OKC parce que c'est une équipe qui garde très très discrète et très très proche d'elle ces informations. Donc c'est compliqué d'aller gratter quoi que ce soit. Je préfère être honnête avec vous. Mais par contre, ce qui a été murmuré, c'est qu'un mec comme Kelly Olynyk pouvait être une cible très très intéressante pour le Thunder à surveiller dans les prochains jours. En restant dans la conférence Ouest, bien évidemment, y a-t-il des fans des Rockets? Puisqu'on a parlé du Thunder, parlons des Rockets. Deux très très beaux projets de reconstruction avec des timelines pas tout à fait similaires. Lol. Équipe silencieuse pour le moment, mais à surveiller dans les prochains jours, Houston. Le message qui semblerait circuler en ce moment pas mal en NBA, c'est que Houston, je vais vous remettre le classement, est dans une situation tout à fait intéressante de sa belle histoire, c'est que Houston peut se battre pour un retour au play-in tournament et donc potentiellement en play-off. Je ne pense pas que les Rockets vont être en play-off cette année, parce qu'il faudrait vraiment un revirement de situation incroyable. Mais la dynamique côté Houston, elle est très claire. Tu as des jeunes comme Jabari Smith, comme Alperen Sengun, comme Amen Thompson, comme Jason Tate s'il est encore là dans quelques jours, comme Jalen Green, comme tous ces garçons qui ont besoin de se développer bien comme il faut, comme Tari Eason et compagnie. Le meilleur moyen de les développer, c'est de les foutre en play-off. Demandez à Shai Gilgeous-Alexander ce que ça a fait de bosser avec Chris Paul dans la bulle lorsqu'il était au premier tour des playoffs. Demandez à Shai Gilgeous-Alexander avant ça, avec les Clippers, de se taper un round de playoffs face aux Warriors. C'est sûr, lorsque tu veux développer tes jeunes, c'est trop bien de les envoyer dans le grand bain. Et donc, pour Houston, ce serait formidable d'accéder à cette place dans le top 10 de la conférence Ouest. Et pour faire ça, eh bien, il faut s'assurer et se renforcer, parce que ce serait hyper frustrant pour Houston, quand même, on va pas se mentir, de se retrouver un peu à la place du con, qui est du coup 11e de l'Ouest, et t'as regardé le play-in à la téloche, et t'étais trop proche du play-in, et pas assez proche du tanking pour avoir un bête de choix de draft. Donc du coup, on verra ce que va faire Raphael Stone, il y a des options, mais ne soyez pas étonnés si dans les prochains jours, il y a des garçons qui peuvent venir aider les Rockets pour approfondir un petit peu cette puissance. Ils ont des capacités, les Rockets, notamment avec des 5 défensifs tout à fait intéressants, mais on rappelle que du côté de Houston, il faut du shoot à 3 points qui rentre. Lorsque Fred VanVleet n'est pas là, c'est vraiment une attaque qui certes tourne autour d'Alperen Sengun, mais on voit des vraies limites. Donc, shooting, shooting, shooting. Si vous voyez des snipers bientôt se rapprocher des rumeurs côté Houston, vous pourrez dire qu'on en aura parlé dans Aller Café. Voilà pour nos amis les Rockets. Tout ce qu'il faudra pour atteindre le top 10, Houston pourrait l'envisager fort. Bruce Brown, s'il y a des fans des Raptors qui sont dans le coin, ça va être la minute Toronto. Une grosse minute, parce qu'on va parler de Bruce Brown et après d'autres garçons. Bruce Brown attire évidemment beaucoup de monde. Il a été transféré récemment de Indiana à Toronto dans le cadre du deal de Pascal Siakam. 4 équipes, pour ne citer qu'elles, qui sont en ce moment très très intéressées par Bruce Brown, ce sont les Knicks, ce sont les Suns, ce sont les Bucks et ce sont les Lakers. Alors, il y a des équipes qui sont des vrais contenders, du genre les Bucks, et d'autres qui « wish they could be », genre les Knicks et les Lakers, et à se prononcer ensuite pour les Suns. Tu ajoutes un mec comme Bruce Brown, c'est un gars qui vient d'être champion, qui n'a pas peur des grands moments, et qui a contribué hyper positivement dans toutes ses équipes récentes. Du coup, Toronto, bien conscient de ça,
aimerait récupérer un solide premier tour de draft et potentiellement un bon jeune en retour. Donc en gros, on voudrait deux piques, quoi. Au calme, Masai Ujiri. Mais l'horloge tourne et elle est à l'avantage de Masai. Parce qu'il sait que là, lui, il dit « Eh, tu sais, moi, je sais que lui, un tel, il le voudrait, mais il m'a donné ça et ça en package en échange. Donc, qu'est-ce que tu proposes ?» Et quelqu'un va remporter un petit peu les Bruce Brown sweepstakes. Le scénario le plus probable, c'est que Bruce quittera Toronto, hein, il ne va pas rester éternellement. Mais s'il part, vous le voyez dans quelle franchise ? Je vous demande à vous, là, je vous ai mis Knicks, Suns, Bucks et Lakers. L'équipe idéale, là, pour, ou en tout cas l'équipe qui adorerait avoir Bruce Brown, ce serait qui, selon vous ? On me dit les Bucks, bien évidemment ce serait formidable sous la houlette de Monsieur Doc Rivers. On me dit le Heat, bien évidemment. On me dit Bucks, beaucoup de Bucks. Hein. Et alors son contrat c'est un poids ? Eh bien non, parce que c'est ça qui est formidable, notamment avec le contrat de Bruce Brown. C'est un des contrats les plus appréciés de la NBA. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes contender, Bruce Brown aujourd'hui, il coûte certes 20 millions cette saison, parce que c'est un contrat assez particulier qu'il a signé avec les Pacers. Par contre, cet été, son année suivante de contrat, c'est une team option. Donc si tu le souhaites, tu peux faire un emprunt de quelques mois de Bruce Brown. Si ça se passe très bien et que tu as de la place, tu actives la team option et tu dis, bah tu sais quoi, on le conserve, run it back. Et si t'aimes pas, bah tu peux te dire, j'ai besoin de la place dans mon cap space, j'ai pas envie de tomber dans les taxes de la NBA, et du coup, bah je lâche Bruce Brown, et c'est trop bien. Donc c'est en ça que c'est un contrat hyper intéressant, et que Masai Ujiri, bien conscient, continue à faire monter les enchères. En ce moment, on verra si les Bucks feront le gros taf sur Double B. Côté Toronto, pour enchaîner, il y a évidemment cette certitude, Masai Ujiri en a parlé, ils vont rester très actifs, les Raptors, jusqu'à la trade deadline avec plusieurs joueurs disponibles. Certains ont posé des questions sur du Jakob Poeltl. Avant ça, on va parler de Chris Boucher, qui a de très bonnes chances de partir devant Dennis Schroeder notamment et Gary Trent Jr. Je vous parlais de Bruce Brown à l'instant, c'est évident. Concernant Jakob Poeltl, je ne pense pas que ce sera le cas. Il peut être tout à fait transféré dans les prochains jours, mais je n'ai pas l'impression que ce sera là imminent. C'est tout à fait possible, mais sinon je parierais plus sur cet été. Jakob Poeltl a été récupéré notamment contre du pic de draft à San Antonio et il a été prolongé cet été. Est-ce que c'est une prolongation type Kyle Kuzma comme on l'a vu là? Eh ben on va très vite le savoir. Mais je pense que ce sera plutôt un dossier à revisiter dans quelques mois, Jakob Poeltl, et si ça se trouve, j'aurai totalement faux dans les prochains jours. Il va être trade. Surtout que les line-up avec Poeltl ne sont pas incroyables. Mais bon, il y a peut-être une association à créer avec Scottie Barnes sur pick and roll. On se verra tout ça, et avec Emmanuel Quickly. Chris Boucher a de très bonnes chances de partir. J'ai le sentiment, moi, en l'état actuel, que Chris Boucher il a plus de chances de partir que du Dennis Schroeder et du Gary Trent Jr., qui sont deux dossiers totalement différents. Dennis Schroeder, il a montré qu'il pouvait être un excellent sixième homme dans une équipe contender. Il l'a montré avec les Lakers l'année dernière. Ils sont allés jusqu'en finale de conf. C'est un mec quand même qui vient de cartonner avec l'Allemagne et il est très très fort, juste pas en titulaire. Stop, ça on arrête. Et Gary Trent Jr., eh bien pareil, excellente situation contractuelle puisqu'il va être agent libre cet été et donc tu peux l'avoir en emprunt pendant quelques mois. C'est pour ça qu'on l'associe notamment à des équipes comme les Lakers, les Knicks ou d'autres, bien évidemment. Donc, je pense que Toronto va être encore très actif dans les prochains jours. Ils se sont déjà débarrassés de OG Anunoby et de Pascal Siakam. Je vous pose la question à vous. Le prochain joueur des Raptors qui est transféré, c'est qui ? Est-ce que c'est forcément Bruce Brown ? Ou est-ce que, avant Bruce Brown, il y aura d'autres garçons qui vont être transférés avant lui ? Et Bruce Brown, ce sera le 8 février en direct avec Simon, Bibi et Alex. Qu'est-ce qu'on me dit dans le chat ? On me parle bien évidemment de Dennis Schroeder, de Gary Trent Jr. Gary Trent. Hein. J'ai l'impression que c'est quand même pour Gary Trent. Allez, je vais dire Chris Boucher, puis Gary Trent Jr., puis Dennis Schroeder. Voilà. Ça, je pense que ça va se finir comme ça pour nos amis les Raptors. Dans tous les cas, voilà pour ces petites rumeurs. À Toronto, ça va très très vite s'activer. On passe par Philly. Philly qui était évidemment dans les actus récentes avec les 70 points de Monsieur Joel Embiid. Qu'est-ce qui se passe à Philadelphie ? Eh bien, les Sixers, mine de rien, ils auraient bien dans leur viseur Monsieur Tyus Jones et Alex Caruso, que je vous montre juste ci-dessous. Alors, comme vous le savez, il y a eu une course à l'armement assez intéressante à l'Est. J'en parlais hier dans Allez Café notamment, le fait que Indiana vient de récupérer Pascal Siakam. On vient de voir les Bucks changer de coach, on peut appeler ça du réarmement ou juste une situation très très drôle avec Doc Rivers. Mais on a vu les Knicks récupérer OG Anunoby et on a vu le Heat récupérer Terry Rozier. Donc mine de rien, dans la conférence Est, ça se bouge, ça veut essayer d'aller choper les équipes qui sont tout en haut. Et on sait que les Cavs, qui sont dans une très très bonne dynamique, vont récupérer bientôt et du Evan Mobley et du Darius Garland. Du coup, Philadelphie, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont
Nick Nurse, ça se passe trop bien. Joel Embiid, large candidat MVP, si ce n'est numéro 1 au classement MVP. Ils ont Tyrese Maxey, tout se passe bien. Batum, Beverley, il y a Tobias Harris, même s'il y a des petits soucis de santé, on sait qu'on peut compter sur lui. C'est là, là, l'année où t'as envie de montrer qu'il n'y a plus Doc Rivers et que tu peux aller jusqu'en finale NBA, c'est là, là. C'est cette année. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être un risque à prendre et des affaires à faire. Je vous avais déjà parlé de Alex Caruso. Et peut-être que ce sera Tyus Jones qui finira justement en backup de Tyrese Maxey. Ce serait formidable parce que notamment, bah, même s'il y a l'envie d'ajouter Caruso pour avoir ce corps supplémentaire pour affronter des, bah, tout simplement des Lillard, tout simplement des Tatum, des Brown, tous ces gros poids lourds, des Jimmy Butler, évidemment en playoff, eh bien quand même, on sait que les minutes sans Tyrese Maxey, c'est très très vite compliqué pour Philadelphie. Alors il donne le ballon à Embiid qui essaie de se débrouiller comme un chef, hein, mais ça peut être vite compliqué. Donc les Sixers qui pourraient très très vite faire le boulot. Petit flex supplémentaire, j'étais en train de parler justement de Monsieur Caruso qui était difficile à récupérer parce que les Bulls négocient fort. Eh bien Adrien Wojnarowski, il en a parlé juste après sur Threads, si vous ne connaissez pas sur le social. Il le disait tout simplement que les Bulls, ils l'évaluent et ils ont une très très grande estime pour Alex Caruso et donc ils ne le lâcheront pas contre des cacahuètes. Voilà pour Monsieur Alex Caruso. Donc si vous voulez négocier avec les Bulls, préparez-vous à vous prendre des stops. Ça peut faire très mal. Caruso qui jouera ce soir contre les Lakers. Les Lakers qui adoraient récupérer Caruso. On en parlera tout à l'heure dans le match de cette nuit. Quelques news encore. Et puis après, je ferai un tour des autres franchises. Et je le rappelle, on pourra faire un petit Q&A pour discuter ensemble de ce qui se passe. Les Knicks, on en parlait à l'instant. Ils veulent clairement ajouter du scoring et du playmaking. Ils ont récupéré OG Anunoby. Mais c'est pas terminé. On a vu, là, en l'absence de Jalen Brunson, ce qui se passe côté Knicks en création offensive. C'est une immondice absolue. Et donc, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a plusieurs joueurs qui ont été mentionnés. Attention, Quentin Grimes est en ce moment dans pas mal de discussions de potentiels transferts. Est-ce que lui, Quentin Grimes, il est associé à Evan Fournier dans un trade ? Ça fait du coup un transfert avec pas mal de salaires à devoir échanger. Qui tu peux aller viser ? Eh bien, des joueurs comme Malcolm Brogdon, par exemple, comme Bogdan Bogdanovic, ou comme Colin Sexton, bien évidemment, qui font partie des rumeurs de transfert. On avait parlé aussi de Alec Burks, de Jordan Clarkson, récemment dans les rumeurs de transfert. Je pense, avec pas mal de certitudes, pouvoir dire que les Knicks vont renforcer leur banc avant le 8 février. Mais si vous aviez un joueur à cibler, ce serait qui ? Si vous êtes les Knicks, vous partez sur quel joueur ? Vous pouvez avoir plutôt un type ball handler avec Malcolm Brogdon et vous pouvez avoir une gâchette de fou avec Bogdan Bogdanovic. J'ai l'impression que Malcolm Brogdon, c'est un peu la pépite là, à aller chercher. Et Portland en est bien conscient, donc à mon avis, ils vont faire des négociations assez, assez ardues, nos amis de Portland. Et là, on a vu comment ça s'est passé avec Lillard cet été. On verra, mais c'est vrai que les Knicks vont très certainement faire jouer ça jusqu'au buzzer. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé, il y a Yann Bagley qui fait un excellent travail sur les Knicks, qui était avec Scott Perry dans une émission il y a quelques heures. Et donc, ils ont l'occasion de pas mal parler des Knicks et de leur situation. Donc voilà, à surveiller. En parlant des Knicks et de Monsieur Caruso il y a quelques minutes avec les Bulls, eh bien, sachez que agent libre cet été, DeMar DeRozan pourrait être transféré là à la deadline. Il n'y a aucune dynamique actuelle de transfert, hein. Il n'y a pas de rumeur de quoi que ce soit. Mais il a bien indiqué quand même ses deux destinations préférées aux Bulls s'il y a un transfert, c'est Miami ou New York. Alors, on verra, comme je l'ai bien mis ici, si DeRozan n'est pas transféré là d'ici deux semaines, cet été il est agent libre, et je ne pense pas qu'il prolonge à Chicago. Est-ce que les Bulls ont envie de perdre DeRozan contre Peanuts ? Je suis pas sûr non plus. Donc, on va voir ce que ça donne. Miami vient de récupérer DeRozan, donc peut-être que ça va être compliqué. Par contre, tu peux quand même avoir New York qui peut se positionner dessus et dire, bah, tu sais quoi, on prend du DeRozan pendant 6 mois, on lui met bien, on lui dit de cartonner les minutes de scoring lorsqu'on a besoin de création, quand c'est pas dans les mains de Jalen Brunson ou de Julius Randle, et peut-être que ça le fera. Mais à ce moment-là, il faudra négocier avec les Bulls qui, en ce moment, sont bien conscients de ce qui se passe et se disent « Ah ouais, ouais, bah vous voulez des Caruso et des DeRozan, bah envoyez les picks de draft. » Et c'est vrai que ça peut devenir compliqué. Donc on va suivre le dossier des DeMar DeRozan, mais je rappelle, cet été, il est agent libre, donc il peut partir contre Peanuts. Quelques noms à surveiller fortement sur les prochains jours. Je vous ai parlé de Jonas Valanciunas qui essaie de faire le boulot, bien évidemment, bon bûcheron qu'il est du côté de New Orleans, et de PJ Tucker et Mason Plumlee du côté des Clippers. Alors, chez les Clippers, c'est très très simple. Premièrement, PJ Tucker, il n'est plus dans la rotation.
mais les Clippers, ils ont encore son salaire à devoir payer. Et PJ Tucker, il a bien évidemment mentionné sa frustration, à la fois en interne et en externe, et le fait qu'il voulait jouer tout simplement au basket. Donc les Clippers vont peut-être faire un trade pour récupérer un ou deux petits assets en bonus, sachant que chez les Clippers, en ce moment, tout va très très bien. Hein, on l'a vu, là, ça cartonne, même quand ils sont menés par les Nets, ils reviennent au buzzer et tout, donc ça déroule. Et pareil sur la rotation intérieure. Quand on voit comment ça se passe, certes, là, il y a eu l'absence de Ivica Zubac, mais sinon, la rotation, on la connaît, c'est du Daniel Theis et derrière, enfin, c'est du Daniel Theis et du Ivica Zubac. Et c'est plutôt un poste de déboueur, celui de pivot, donc t'en as déjà deux avec Ivica Zubac et Daniel Theis, t'as pas besoin forcément d'avoir Mason Plumlee. Donc à surveiller, bien évidemment concernant ces garçons. Valanciunas, si en soi il fait le travail, si je le mentionne, c'est aussi parce qu'il a été discuté de par sa situation contractuelle. Jonas Valanciunas, bientôt il va devoir arriver à table et demander une extension de contrat. Peut-être que les Pelicans n'ont pas envie, malgré les bons et loyaux services de M. Valanciunas, de le conserver. Donc je vous donne juste les noms, parce que je sais que là, récemment, ils sont pas mal remontés, et je ne serais pas étonné qu'on en reparle prochainement de Jonas Valanciunas, peut-être le 8 février, le soir de la deadline. J'enchaîne ! Je parlais des Kings tout à l'heure, juste, le message est passé, hein, Keegan Murray est absolument intouchable, donc voilà, hein, quand tout à l'heure je mentionnais Fox et Sabonis, vous pouvez dire Fox, Sabonis et Keegan Murray, voilà, ça c'est juste clean, mais s'il y aura des transferts des Kings prochainement, ce sera pas avec Keegan, qui est vraiment très très bon et qui fait partie du futur de nos amis de Sacramento. Pour finir, on aime le basket et on aime surtout les équipes qui essaient de jouer au basket, comme les Detroit Pistons, qui sont depuis longtemps attendus à la deadline de par leur situation. On savait qu'il y avait des rumeurs sur Alec Burks, sur Bojan Bogdanovic, sur plein de jeunes. On a eu un petit transfert, hein, notamment celui de Marvin Bagley, qui a ramené du Danilo Gallinari, notamment, et du Mike Muscala. Eh bien, mine de rien, ce transfert, c'est ce qui permettait à Detroit de libérer de la place dans son cap et d'avoir donc beaucoup, beaucoup de capacités financières cet été. Attention, peut-être que Détroit sera un acteur bien plus sérieux qu'on ne pense cet été, pour une raison simple, c'est que même si ils vont dire « Écoute, notre projet est éclaté de fou furieux et on ne sait absolument pas dans la direction dans laquelle on va », par contre, j'ai des liasses de dollars, mec, et donc ils sont tout à fait capables de se ramener à table et de dire « Bon, tel agent libre, ah, bah nous, on va proposer un contrat que personne ne peut proposer, donc voilà, peut-être qu'on doit le surpayer, on l'a fait pareil avec Monty Williams, autant le faire avec des joueurs ». Ils viennent de surpayer Monty Williams pour l'avoir. Peut-être qu'ils devront aussi surpayer certains joueurs pour qu'ils puissent jouer aux Pistons. Ne soyez pas étonnés. Dans tous les cas, il y a toujours autant de rumeurs là, qui tournent autour de Bojan Bogdanovic et de Alec Burks. Mais pas non plus de dynamique de dingue. Et d'ailleurs, on l'a vu, Détroit, ça fait quand même 2 à 3 ans qu'ils auraient pu transférer certains de leurs mecs. Et ils s'accrochent jusqu'au bout à leur type. Donc, je pense pas que ça va être incroyable cette trade deadline du côté des Pistons. Mais on pourrait être surpris. Pour finir, bien évidemment, les deux dernières petites infos. La première, c'est que les Wolves et les Suns, il y a la nécessité et le besoin de renforcer le banc. Il y a de la star, il y a de la cohésion dans le 5 majeur, il y a plein de choses à devoir faire, mais par contre, côté Phoenix, on aimerait bien un petit peu de bonus s'il y a des vétérans qui sont un peu blessés. Côté Minnesota, bah, ouf, vous avez vu ce qui se passe là sans Mike Conley ? C'est méchant, hein, Mike Conley qui va peut-être revenir ce soir, mais derrière Mike Conley, c'est très 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 violent Minnesota. Donc, du coup, on adore Jordan McLaughlin et surtout Shake Milton, qui fait quand même un début de saison catastrophique avec les Wolves. Donc, il y a de bonnes chances pour que on puisse avoir Monsieur Shake Milton dans les rumeurs de transfert et d'autres garçons qui pourraient venir. Juste, je ne l'ai pas précisé, sur le buyout market, il y a en effet des petites règles à devoir respecter, et si je dis pas de conneries, il y a plusieurs franchises, de par notamment le nouveau CBA, qui n'auront pas la possibilité d'être des gros acteurs sur le marché du buyout. On vous réexpliquera tout ça, mais on en parlait il y a quelques mois avec la nouvelle convention collective signée par la NBA. Vous allez voir qu'il y aura des nouveaux plafonds, des aprons notamment, et lorsque certaines équipes se retrouvent à être un petit peu trop dépensières, il y aura des pénalités beaucoup plus strictes, notamment le fait de ne pas pouvoir être actif sur le marché du buyout. Donc voilà. C'est vrai qu'on est le 26. On est le 26, ça y est, c'est officiel. Date triste dans l'histoire du sport et de la NBA, hein, si je dis pas de bêtises. C'est le 26, hein. Ouais, bah ouais. 4 ans déjà, fuck. RIP Kobe. 4 ans déjà que Kobe nous a quittés, fuck. Putain, l'an 2020, c'était il y a 4 ans. Pff, j'ai l'impression qu'on a tous pris 20 piges, là. Je reprends un petit peu mes esprits, je finis juste avec cette dernière info et après je vais pouvoir répondre à vos questions. Du côté de Charlotte, il y a que LaMelo Ball, Brandon Miller et potentiellement donc Mark Williams qui sont intouchables. Le reste, servez-vous, hein.
Miles Bridges, direction le FC Prison, mais il y a peut-être une équipe qui va le récupérer. Gordon Hayward pourrait se retrouver sur le marché du buyout. Kyle Lowry, qui vient d'être récupéré, pourrait également être sur le marché du buyout. On vient de voir Terry Rozier qui a bougé. Il y a plein de garçons à devoir prendre. Donc foncez. Hein. Si vous voulez faire vos emplettes en ce moment, j'en avais parlé il y a quelques jours, nouvelle direction à la tête, nouveau propriétaire, à la tête de Charlotte. Donc, j'espère que vous retenez bien quand j'explique à certains comment ça fonctionne. Qui dit nouveau propriétaire dit que Mitch Kupchak, le GM, bientôt, il va, on va voir si vous suivez bien. S'il y a un nouveau propriétaire, qu'est-ce qui se passe? Mitch Kupchak, il va... Ouais, voilà, sauter, dégager, virer, partir, allez hop, ça dégage, planter des fleurs, exactement, sauter, non pas rester, pointer à Pôle emploi, tout à fait, à France Travail, d'ailleurs on dit, je crois, Tesso, manger, tout à fait, oui, normalement c'est parti, hein. Et donc ça veut dire d'ailleurs Steve Clifford, c'est pareil, Steve Clifford, coach, a été récupéré par Mitch Kupchak, manager, qui était sous la direction de Michael Jordan, ancien proprio. Nouveau proprio va vouloir mettre un nouveau management qui va vouloir prendre un nouveau coach. Donc la Melo Ball, autant qu'il se prépare, Mitch Kupchak bientôt, c'est dans le rétro, et Steve Clifford, c'est pareil. Donc voilà pour les dernières petites news sur cette trade deadline. Comme je l'ai dit en tout début d'émission, et merci aux copains et copines qui sont encore là, ce sera compliqué en direct de New York la semaine prochaine de faire des allées café, mais j'essaierai quand même de balancer des news tout du long de ces jours qui nous mettront au 8 février. Vous notez bien, s'il vous plaît, jeudi 8 février 2024, en début de soirée, probablement 19h, live de la trade deadline. On va vivre ce grand classique où vous êtes à chaque fois des dizaines de milliers. Là, on va faire encore un top France, là. Numéro 1 ! Vous allez être 25 000 personnes pour voir des joueurs se faire transférer. Je vais répondre à vos questions. Et parler de franchise, je me mets juste sur le chat, bougez pas. Je vais répondre à vos questions concernant la trade deadline. Vraiment, je prends vos questions sur la trade deadline. Et ensuite on pourra faire quelques petits pronostics sur les matchs de ce soir et après je vous laisserai puisque je rappelle qu'après il y a l'annonce des All-Stars. Boston, ça bouge ou pas? Très bonne question. Boston, ce que je peux donner comme info au moment où on parle, c'est que Brad Stevens avait été assez clair sur le fait qu'il y aurait du renforcement de banc et notamment une priorité donnée à l'aile pour essayer d'avoir encore plus de potentiel parce que Peyton Pritchard, Sam Hauser, Luke Kornet, Al Horford, c'est très sympathique en sortie de banc, mais ce n'est pas assez. Dans ce marasme, il y a O'Shea Brissett qui fait quelques bonnes minutes. Est-ce que c'est assez? Je ne pense pas. Si Brad Stevens fait du travail, visé, ailier, d'expérience, qui est capable d'aider. Peut-être que ce sera sur le buyout market, à vérifier. Voilà pour Boston, donc je pense qu'il va y avoir un move, parce que même si ça se passe très bien à Boston, tu veux aller chercher la bague, et là le banc de Boston, je ne suis pas sûr que ce soit un banc d'équipe baguée, mais à voir. Ils ont un 5 majeur incroyable, mais voilà. Zach LaVine, ça dit quoi? J'en ai parlé il y a quelques jours. Zach LaVine, il n'y a aucune dynamique de transfert. Les équipes qui ont discuté avec, elles sont flippées par son contrat, flippées par son genou et flippées par les résultats des Bulls en son absence. Même s'il y a eu des défaites et des victoires, mais il y a eu quand même des dynamiques un peu plus positives. Donc du coup, Zach LaVine, si ça rediscute, je pense que ce sera beaucoup plus cet été que là dans les prochains jours. Les Spurs, ça dit quoi? Les Spurs... Doug McDermott et Cedi Osman qui sont les cibles les plus probables à transférer dans les prochains jours. Les Spurs, ils sont en mode Discovery Channel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, c'est la première année du projet Wemby. Donc, c'est laisser ce garçon, avec de moins en moins de restrictions de minutes, là, on va le voir dans les prochains jours, s'exprimer et montrer l'étendue de son potentiel. Ensuite, les Spurs feront le travail et iront essayer de récupérer notamment du meneur vétéran et associer des garçons qui pourront aider Wemby à bien se développer et devenir une équipe respectable. Cedi Osman, Doug McDermott. Je pense qu'aujourd'hui, je peux mettre quelques sous sur le fait que Doug McDermott sera transféré d'ici 2 semaines. Et après, Santonio, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de continuer à avoir de la place et de la flexibilité financière. Et surtout, faire comme le Thunder a pu le faire récemment, accumuler des pics de draft. C'est ce qu'ils avaient fait, notamment en lâchant du Derrick White, pic de draft, des Jeune Temeray, pic de draft, et avoir cette flexibilité-là. Parce que si tu te retrouves comme une équipe comme San Antonio avec des pics de draft, tu peux aller chercher certains joueurs un peu plus forts. Tu peux avoir plus de chances de drafter des garçons très très doués à la draft. Et on le sait qu'ils ont un sacré flair à San Antonio pour drafter des garçons tout à fait sympathiques. Voilà pour les Spurs. Des rumeurs autour des Nets, équipe mid sans projet à long terme. Les Nets, oui, bien évidemment, j'en ai parlé. J'ai parlé de Royce O'Neal, de
Dorian Finney-Smith, il y a même eu des rumeurs sur du Nick Claxton, tout est disponible. Spencer Dinwiddie, Speedy Claxton, wow, retour 20 ans en arrière. Spencer Dinwiddie a été mentionné. Je ne pense pas qu'il y ait des intouchables. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même le souhait de laisser de côté Cam Thomas, Mikal Bridges et Cam Johnson. Mais je pense qu'on sera amené à avoir tout un tas de surprises dans les prochaines semaines. Et oui, à Brooklyn, il peut tout se passer. Jacques Vaughn peut sauter dans les trois prochains jours. Et on peut avoir une bonne partie d'effectifs qui saute. Nick Claxton peut totalement être transféré dans les prochains jours. Comme d'autres joueurs. Donc voilà pour Brooklyn. Est-ce que Triang peut être trade ? Oui, mais je pense que c'est trop tôt pour en parler. Si c'est le cas, ça va être incroyable là, dans les prochains jours. Mais je pense qu'il va falloir laisser, comme il a dit, il en a parlé lui-même, hein, il va falloir laisser du temps à Quinn Snyder, il a confiance en ce management. Et donc je pense que s'il y a de la frustration, ce sera au cas où il n'y a pas de vrai progrès la saison prochaine. Mais je crois qu'il y a encore un été pour Trae Young assez safe à Atlanta. Et si ça ne progresse pas, là, ça sera chaud. Est-ce que les Nuggets, ça bouge ou pas ? Dans les petites marges, en sortie de banc, mais sinon, le groupe, on sait ce qu'il peut donner, hein. Le groupe, il est là, il est top 3 de l'Ouest, alors qu'il n'y a pas forcément eu tout le monde, et ils le savent. Denver, c'est à partir de début mars, là, tu commences à monter en température, tu te fais une winning streak de 12 matchs, et après, t'es contender et t'es favori pour faire le back-to-back, hein, on va pas se mentir. Les gens, ce soir, c'est les titus ou c'est les 24 ? Ce soir, c'est les titulaires du All-Star Game. Ce sera à 1h du matin. Est-ce qu'il y a du nouveau pour le backcourt d'Orlando ? Orlando, je voulais en parler rapidement aussi. Orlando, c'est très très simple, le Magic, il y a des rumeurs autour de Wendell Carter Jr. et surtout autour de lui et de Shuma Okeke et un petit peu autour de Markelle Fultz. Pourquoi ? Je vous la fais en courte. Orlando, ils ont une situation sur le front de court dont j'avais parlé un peu plus tôt sur le début de saison, c'est qu'ils ont Wendell Carter Jr., Goga Bitadze et Mo Wagner. Faisons les choses de manière simple. Mo Wagner, il est absolument parfait en backup, c'est un des candidats au titre de 6ème de l'année, et son association avec Cole Anthony, elle est létale, les mecs ils sont trop forts. Il a été trop bon avec l'Allemagne, il est trop bon avec Orlando, c'est parfait. Preuve étant, même quand Wendell Carter Jr. a été blessé, ils l'ont pas mis titulaire, ils ont dit « t'es le roi du banc, y a pas de souci. » Du coup, ils ont pris Goga Bitadze. Et Goga Bitadze, qui avait du mal dans la rotation des Pacers, a été récupéré par le Magic, et nous fait une super saison dans un registre qui lui va parfaitement. C'est un registre de pivot qui fait le sale boulot, qui pose des écrans en titane pour les bon handlers qui vont vers le panier, Franz Wagner notamment et Paolo Banchero, qui ne fait pas chier s'il n'a pas le ballon, et qui fait surtout le rôle de certains pivots qu'on voit un petit peu modernes extérieurs, à la Jokic, mais c'est pas le même genre de joueur, c'est j'ai la balle, dribble end off, tu passes derrière moi, je te donne le ballon, je pose un écran et je roule. Et si vous voulez une ligne de pénétration, soit je pose des écrans, soit je vais dans la bonne position pour faire chier personne. Wendell Carter Jr. aujourd'hui, il est rempli de talent, mais c'est pas non plus comme s'il crevait le plafond. Et du coup, l'association avec Wendell Carter Jr., Paolo Banchero et Franz Wagner n'est pas idéale. Du coup, si tu es le management d'Orlando, tu es capable de dire « Hey, nous c'est bon, on a notre doublette du turfu avec Wagner et Banchero, on a certains joueurs à développer, Anthony Black, Jet Howard, que j'ai très hâte de retrouver avec l'équipe prochainement parce qu'en G-League, il fait le boulot. Et on aimerait, en tant qu'équipe d'Orlando, récupérer un guard sniper à 3 points de très bonne qualité. Parce que pareil, Jalen Suggs, il a trouvé son spot, c'est pour ça qu'il y a des questions autour de Markelle Fultz. Et donc du coup, c'est pas étonnant si aujourd'hui, Wendell Carter Jr. se retrouve dans les rumeurs, parce qu'en plus, c'est un contrat de zinzin, c'est un contrat dégressif, où il est payé entre 15 et 10 millions de dollars sur les prochaines saisons. C'est parfait, ils ont trop bien négocié ça. Donc du coup, c'est maintenant qu'il faut essayer de voir qui est intéressé. Parce que si t'as Franz Wagner, Paolo Banchero, et que tu vas aller chercher un espèce de gars assez bon, expérimenté, qui peut canader à 3 points, Orlando, là, ça va commencer à être flippant. C'est pas comme si, en l'absence de Wendell Carter Jr., ils étaient devenus mauvais, quoi. Ils ont vraiment une très bonne base défensive avec des joueurs qui connaissent leur rôle. Donc, à surveiller. Voilà pour Orlando. Tu penses quoi de Murray aux Lakers, toi qui suis les Hawks à H24 ? Bah, j'en ai parlé en début d'émission. Moi, je pense que DeJounte Murray aux Lakers, ça les rend encore plus forts. Je sais pas si ça les rend favoris pour le titre, mais oui. T'es dans les dernières années de LeBron en carrière, tu vas pas commencer à lui mettre des petits contrats à la con à droite à gauche. Si tu veux un gars qui soit là pendant la durée, de niveau All-Star, c'est DeJounte Murray. Voilà, allez-y, prenez-le. Tu fais DeJounte Murray, LeBron, AD, et là tu as vraiment des snipers sur les côtés, des vrais snipers. Je suis désolé, hein, c'est une équipe de zinzin. Voilà. Est-ce que Zion peut être trade ? Je ne pense pas, en tout cas pas maintenant. Est-ce que Gordon Hayward peut encore rendre service quelque part ? Oui, quelques matchs, mais toujours ses soucis de blessure.
à retrouver, comme j'en ai parlé là, peut-être potentiellement sur le marché du buyout avec les Hornets. Un move pour les Warriors. J'ai parlé pas mal de Golden State récemment. En l'état Golden State, on ne va pas se mentir. On est sur un contexte très particulier. On était sur une équipe qui avait des rumeurs de transfert potentiellement sur du Andrew Wiggins ou d'autres garçons. J'en avais parlé dans une émission récente, vous pouvez la consulter. Maintenant, il vient de se passer un drame, un cataclysme pour la NBA et pour les Warriors. C'est compliqué de reprendre immédiatement le business et commencer à parler de transfert. Peut-être qu'il va y en avoir et que Mike Dunleavy va dire c'est bon, on a fait notre deuil et il faut qu'on passe à autre chose. Mais peut-être aussi que Golden State va se retrouver et se dire hey les gars, franchement, on resserre le groupe, il y a des choses plus importantes dans la vie que nos petits chichis à droite à gauche, et en fait on va faire ça notamment pour notre gars sûr qui désormais est au ciel. C'est tout à fait possible. Il y a certains reporters qui en ont parlé là récemment du fait que ce ne serait absolument pas étonnant que Golden State dise tu sais quoi, avec tout ce qu'on vit là, on va pas commencer à péter le groupe, c'est comme ça et basta. Mais sinon, on surveillera évidemment Andrew Wiggins, parce que la décision claire du côté de Golden State, c'est de faire de la place long terme sur la banque de Joe Lacob, parce que le mec, il y a déjà eu Jordan Poole qui s'est cassé contre Chris Paul, et Andrew Wiggins, s'il coûte cher comme ça, il va dégager gentiment et on va prendre des contrats expirants du côté de Golden State pour les aider à être compétitifs. Voilà. Bon, évidemment, à quoi pourraient ressembler les packages des Sixers pour Caruso? C'est ça qui est compliqué, hein. T'as pas envie de te séparer de grand chose. Ce sera peut-être aussi quelque chose qui va se passer à trois équipes, hein. On surveillera tout ça. Est-ce que Dominaton sera sélectionné dans la All NBA Soft Team? Oui, très certainement, mais on verra. Keldon Johnson, on en reparle plutôt cet été côté Spurs, mais oui, ça va être un profil intéressant à surveiller puisque désormais il est un petit peu plus en sortie de banc et avec un contrat tout à fait transférable. Bertens, je viens d'en parler. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Orlando, je viens d'en parler. Blazers, ça dit quoi? Blazers, j'en parlais là tout à l'heure avec Malcolm Brogdon. Les rumeurs qu'il y a eu un peu sur Jeremy Grant sont pas mal atténuées. Ils apprécient pas mal notamment la prolongation de contrat qu'ils ont fait cet été et le fait qu'il aide bien, notamment certains jeunes, à bien s'intégrer. Enfin, en gros, il fait pas chier, quoi. Et il a pas non plus une cote extraordinaire sur le marché, là, Jeremy Grant, voilà. Du coup, entre lui et Malcolm Brogdon, il y a beaucoup plus de chances que Malcolm Brogdon, qui lui aussi apporte en effectif et aide les jeunes, soit transféré. La cote là de Malcolm Brogdon, elle est extraordinaire. Vous avez vu là dans le chat, là, dès que j'ai demandé qui serait idéal dans n'importe quelle équipe, là, Lakers, Knicks, Suns, Bucks, etc., et tous les contenders pour apporter de l'aide, c'est Malcolm Brogdon, Malcolm Brogdon. Donc, les Blazers peuvent totalement négocier des dingueries en échange. Jeremy Grant, on en reparlera. Dans quelques mois. Potentiellement l'année prochaine. De voir ce que ça peut donner. Mais voilà ce qui se passe autour de Portland. Après, on parlera d'autres garçons. Les Blazers, j'ai besoin de rentrer un peu plus dans les détails pour mieux savoir de quoi je parle. J'ai pas envie de balancer des conneries pour rien. Pour Dallas, il y a eu pendant quelques moments ce travail autour des postes de forwards. C'est pas quelque chose qui est abandonné. J'avais parlé il y a quelques jours de cibles comme Kyle Kuzma, si ça ne se confirme pas avec les Kings. J'avais parlé de PJ Washington. J'ai parlé de pas mal de garçons sur ce poste 4 qui peuvent être intéressants. Je crois pas non plus qu'ils vont monter sur Andrew Wiggins, mais sur un malentendu, pourquoi pas. Dallas, oui, pourrait très très clairement se renforcer la deadline. Je suis pas étonné si Nico Harrison fait du move, hein. L'année dernière, il a été agressif, il a récupéré Kyrie Irving. Et là, peut-être que la défaite, là, notamment contre Phoenix, ça a un petit peu secoué de trois têtes là, à Dallas, parce qu'elle était vraiment dégueulasse, même si Kyrie n'était pas là, donc c'est quand même compréhensible. Par contre, ouais, t'as besoin sur le poste de forward. Grant Williams, c'est pas non plus l'affaire du siècle, hein. Là, pour le moment, hein, il est sympathique et il peut faire des gros matchs, mais c'est pas non plus le mec qui fait la saison de sa vie. Derrick Jones Jr. rend des fabuleux services, mais c'est quand même un contrat plutôt minimum. Donc t'as besoin d'un joueur confirmé aux côtés de Derek Lively, de Luka Doncic et de Kyrie Irving. Donc à suivre, mais je pense que s'il y a un move qui est fait, c'est sur le poste 3-4. C'est pour ça qu'on les avait retrouvés sur des rumeurs autour de Kuzma, de Anunobi, de Pascal Siakam et compagnie, quoi. Voilà. Je vais répondre ensuite à 2-3 questions et après je vais terminer cette émission, messieurs, dames. Dallas, c'est fait. Rien aux Clippers. Non, les Clippers, je viens d'en parler, c'est juste du PJ Tucker et du Mason Plumlee. Trae Young, j'y ai répondu. Kyle Lowry, ça finit où tu penses? Je pense que Kyle Lowry va finir au buyout market et qu'il y a des équipes qui vont faire des très bonnes affaires parce que ce sera au minimum. Et que je pense qu'il l'a un peu mal pris.
Il l'a mal vécu, il en parlait notamment avec DeMar DeRozan qui s'est exprimé. Kyle Lowry, je crois qu'il a pas trop kiffé comment ça s'est passé à la fin avec le Heat. Donc moi je suis pas étonné qu'il soit revanchard et qu'il essaye de rentrer quelques shoots et qu'il apportera toujours sa défense et son expérience. Genre c'est Kyle Lowry quand même hein, les gars. Je sais qu'il rend fou parfois mais... Oh, dans un Game 7 demain je vais avoir un mec qui va être finaux, qui va se mettre les arbitres dans la poche, provoquer des passages en force, mettre quelques shoots et provoquer des fautes, je prends Kyle Lowry. Preuve étant, le Heat est allé quand même assez loin en playoff l'année dernière. Kyle les a bien aidés, notamment sur la série face aux Knicks, hein, si je dis pas de bêtises. Je regarde les dernières questions et après je vous laisse. Utah, pas de mouvement. Si, Utah, du mouvement très certainement à venir. Mais là, Danny Ainge, là, il est en train de saucer tout le monde au niveau des négociations. J'ai parlé de Kelly Olynyk. J'ai parlé de Colin Sexton. Pas étonné aussi s'il y a du John Collins qui est dans les rumeurs. Mais c'est surtout Olynyk et Sexton qui sont dans la plupart des rumeurs. Jordan Clarkson est assez apprécié par la franchise, donc devrait être conservé. Et après, voilà, il faudra voir comment ça se passe, mais pas de Markkanen et d'autres garçons. Pour le moment, c'est plutôt Olynyk qu'il faudrait transférer et à voir si ça va tanker sur la fin de saison comme la dernière. Est-ce que les Cavs peuvent vraiment lâcher Donovan Mitchell ou c'est impossible? Bah, ce qui se passe en ce moment avec Cleveland, c'est que ça se passe tellement bien entre Paris et Cleveland et ailleurs que les rumeurs de Donovan Mitchell qui se barre sont pas trop d'actu. Hein. Et d'ailleurs, Kobe Altman est très très clair avec la concurrence. Hein. Lâchez-moi les baskets, hein. Donovan Mitchell n'est pas disponible et la plupart des jeunes d'ailleurs autour ne sont pas disponibles. Cleveland doit vraiment se tester. La saison régulière, on a vu l'année dernière, ils sont très très forts. Est-ce que Cleveland peut faire des vrais playoffs? Est-ce que Cleveland, avec ce groupe, peut faire des vrais playoffs? Avec JB Bickerstaff comme coach, est-ce que là, qui fait un excellent travail cette saison, avec les absences de Garland notamment, et de Evan Mobley, est-ce qu'il peut se rattraper sur les prochains playoffs? Est-ce qu'ils vont choke? Est-ce qu'ils vont passer un tour, deux tours? Est-ce qu'ils vont être une surprise et aller jusqu'en finale de conf? Tout ça, c'est à déterminer. Je pense que Cleveland ne va rien rusher jusqu'à avoir fait les playoffs, et une fois que les playoffs seront joués, là, on pourra tirer des conclusions. Bonne, mauvaise, on verra. Et à ce moment-là, oui, il y aura peut-être de la pression sur Donovan Mitchell, ou peut-être qu'il y aura une prolongation de contrat, et que ce sera l'avenir des Cavs au poste 3 et qu'on aura plus des questions au poste 2 pardon et qu'on aura plus des questions à se poser notamment sur Darius Garland. Je me permets, je pense que des questions se poseront. Plus aucun move chez le Heat. Non, je pense qu'il y a encore des choses qui peuvent avoir lieu. Et d'ailleurs, comme j'en parlais hier, je pense que Miami réalise très très fort, comme j'en parlais en détail, que la pêche au gros poisson n'est pas forcément encore d'actualité à Miami. Hein. Toutes les histoires de Donovan Mitchell, Damian Lillard, Kevin Durant, tout ça, je pense que c'est un peu plus de l'histoire ancienne. Que là, il n'y a pas non plus des superstars incroyables disponibles. Et que donc, si tu as Jimmy Butler, Bam Adebayo et Eric Spoelstra, bah aujourd'hui, tu mets des vétérans, type Kevin Love. Tu mets des joueurs de devoir, type Rémy Jacquez. Tu mets des joueurs qui peuvent te get des buckets, type Tyler Hero et Terry Rozier. Et après, il ne te manque pas grand-chose pour aller faire effondrer 2-3 équipes du haut de l'Est. Hein. Donc, ils peuvent faire encore quelques micro-mouvements. Mais sinon, Miami, on connaît la base. Quoi. Parce que je pense que les mecs, s'ils sont à 100% le 10 avril, il y en a 2-3 qui vont moufter. Allez, je crois qu'on a fait un bon tour. Ouais, Dallas, Golden State, ça c'est fait. Les Pels, on en a parlé un petit peu, là, j'ai juste parlé de Jonas Valanciunas. Faudra voir s'il y a d'autres joueurs qui peuvent être dans les rumeurs. Je crois pas pour Dyson Daniels, j'ai vu son nom un peu circuler. Je pense que Kira Lewis a été bougé notamment pour rassurer aussi du Dyson Daniels. Mais sinon, ça va surtout ouais, être du Jonas Valanciunas, peut-être du Najee Marshall. On rediscutera de New Orleans à la fin de la saison. Je crois pas qu'il va y avoir des gros moves là, surtout qu'il y a eu quelques matchs assez intéressants. Là. Ils viennent d'étrier Utah et ils sont top 6 de l'Ouest, hein, donc ils sont pas non plus détestables. Hein. Mais je crois qu'on verra, en fonction encore une fois de la fin de saison, play-in, play-off, quel résultat en play-off, l'association avec Ingram et Zion, comment ça se passe. Et là, ensuite à New Orleans, il y aura des gros choix à faire. Gros choix à faire. Sur McCollum, sur Brandon Ingram, sur Zion et sur les autres garçons du squad. Je vais vous laisser. On me pose la question, Bastien, ta valise est-elle prête? Ah non, je vais pas vous laisser, après on va faire les pronostics. Oui, ma valise, elle est quasiment prête hein, pour New York, puisque je bouge ce mardi. J'espère avoir répondu à un maximum de questions. C'est une grosse émission. Je vais garder les dernières minutes pour faire une petite partie pronostic, car vous le savez, ici, ils sont juste en partenaire de cette émission, c'est les copains de Paris en Sport. Donc, ceux qui vont aller regarder les matchs, vous pouvez y aller, je vous fais des gros bisous. Ceux qui vont aller se coucher, eh bien, je vous souhaite une excellente nuit. Si vous regardez ce replay, je vous souhaite un merveilleux... On est jeudi. Donc, un merveilleux vendredi. Hein, c'est ça, ouais, on est vendredi, là, je crois, c'est bon. Ouais, on est vendredi.
Petite session justement pronostic. Je vous rappelle bien évidemment que il ne faut pas faire les bolos. Hein, on ne fait pas les bolos. Donc je mets juste ce petit rappel pour mesdames et messieurs les personnes qui veulent faire du prono. Alors, bien évidemment, comme l'a dit Alex souvent, on ne parie pas bien évidemment l'argent qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Si vous le faites, c'est intelligemment. Et nous, on peut en discuter parce qu'on sait aussi qu'il y a des gens qui aiment bien s'amuser juste sur du pari sportif sans faire les débilos. Du coup, juste sur les matchs de ce soir, je fais la petite séquence. Vous pouvez retrouver tout, bien évidemment, chez les poteaux de Parents Sport. Juste, je vous demande votre avis à vous sur chaque match. Et ensuite, je vais vous donner juste deux petites cotes auxquelles je pense. Pacers, Sixers, le match. Je veux dans le chat, je veux savoir c'est qui va gagner pour vous. Pacers ou Sixers? Pas de Tyrese Haliburton, pas de Tobias Harris. On me dit quoi? Pacers? On verra, mais dans tous les cas, je vois que ça va plutôt partir sur du Philadelphie dans le chat. Je suis bien d'accord, Philly qui devrait faire le taf avec encore un gros Joel Embiid. S'il en a mis 70, je me demande ce que ça peut faire, bien évidemment, face à la raquette de Indiana. Washington contre Utah. Washington contre Utah, qu'est-ce que ça va donner? J'ai l'impression que Utah peut gagner. Utah en déplacement, ça m'a l'air assez clean. Et d'ailleurs, la cote semble assez claire. C'est plutôt pour Utah en favori. Ensuite, on bouge. Gros match entre les Knicks et les Nuggets. Regardez-moi cette merveille. Les Knicks qui sont à domicile. Les Nuggets de Nikola Jokic qui sont en déplacement. Il y a tout le monde, normalement. Il y a Jalen Brunson, il y a Nikola Jokic. Très, très intéressant comme match. Je pense que c'est pour les Nuggets, mais ça peut être assez serré, cette affaire. On en reparlera dans quelques minutes. Miami versus Boston. Regardez-moi cette pépite. Boston qui va se ramener au complet. Miami qui va se ramener notamment avec du Scary Terry. Et tous les garçons qu'on connaît comme Bam Adebayo et Jimmy Butler. Attention, très très gros match à venir. Remake de la dernière finale de conférence Est. Ça part plutôt sur un Boston qui gagne. Attention, je pense que Miami, qui n'a pas non plus très très bien joué récemment, hein, je crois que d'ailleurs contre Memphis, ça s'est assez mal passé, eh bien ils voudront peut-être se rattraper devant leur public. C'est à suivre de très très près. Brooklyn contre Minnesota. Retour potentiel de Mike Conley. Qu'est-ce qu'on me dit justement dans le chat? Est-ce que ça va être du Brooklyn ou du Minnesota? Juste, je me permets pendant ce temps-là, je rappelle, pendant que vous ne faites pas les bolos, je mets juste un petit lien protocolaire si vous voulez retrouver toutes ces cotes sur le site de Parents Sport. Faites attention à vous, vous jouez de manière responsable. Merci mesdames et messieurs. Comme ça, on avance intelligemment. Entre Brooklyn et Minnesota, j'ai l'impression que c'est pour Minnesota. Mais attention les Nets, devant leur public, ils peuvent totalement faire le travail. Ce sera à surveiller bien évidemment tout à l'heure sur les coups de 1h30 du matin. Ensuite on enchaîne, Golden State contre Sacramento, ça dit quoi? Golden State, ils viennent de gagner, notamment contre Atlanta. Sacramento, il va falloir faire du mouvement. Ça me dit quoi dans le chat? Les Kings? Les Kings c'est nos petits? Oh c'est méchant. Rien que pour cette remarque, je vais dire Golden State. Allez. On va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est vrai qu'il y a une belle rivalité entre les Kings et les Warriors et ça fait partie de la Rivals Week. On finit enfin avec Lakers-Bulls. Et là, j'ai besoin un petit peu de votre avis. J'avais vu que LeBron et AD étaient incertains. On a des nouvelles là sur LeBron et AD? Parce que moi, sinon, je mets Bulls. Hein. Très clairement, je ne vais pas vous mentir. Je crois que LeBron et AD étaient incertains. Je ne sais pas ce que ça me dit là dans le chat parce que je n'ai pas les infos là sous les yeux. Qu'est-ce qu'on me dit? Si vous avez les infos au cas où, là, je sais qu'il y a des fans des Lakers et des Bulls un peu dans le coin. Oui, sans eux, c'est Bulls à mon avis. Ouais, on est d'accord. Ils sont incertains H24. Bah oui, je sais, ils sont incertains depuis 2 ans. Oui. Aucune idée. Bon, si LeBron et AD jouent, je pense que c'est pour les Lakers. Pas de surprise, s'ils sont pas là, bah, je pense que ça va être pour les Bulls. Du coup, je vous rappelle de pas faire les bolos, mais si vous voulez retrouver les cotes, vous les avez évidemment chez les amis de Parions Sport. Là, après, ce sont des matchs du lendemain. Après, ce sera le samedi. Par contre, j'ai réservé 2 petites pépites, parce que hier soir, notamment... je crois que j'ai eu bon sur Victor Wembanyama qui était à minimum 20 points, 7 rebonds et 3 passes. L'autre prono, je crois que j'ai un petit peu chié, c'était sur Kevin Durant et Luka Doncic qui étaient tous les deux à 30 points. C'est plus Devin Booker qui a mis 30 points. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu le match. Par contre, là, je trouve que sur le Knicks Nuggets, il y a un truc assez stylé autour de Nikola Jokic, 20 points, 10 rebonds ou 7 passes, sachant qu'il n'y a pas Mitchell Robinson, sachant qu'il y a des incertitudes sur Isaiah Hartenstein. La raquette, à mon avis, de New York, elle va y passer. Et donc, je pense que ça, c'est tout à fait intéressant. La cote, elle est à 2. Voilà. Encore une fois, hashtag ne faites pas les bolos. Et sur l'autre match, entre les Lakers et les Bulls, en toute fin de soirée, eh bien, je trouvais qu'un petit DeMar DeRozan à 20 points, 5 passes et 3 rebonds minimum, eh bien, ça se tente. La cote, elle est à 2,50. DeMar DeRozan, on devrait le retrouver. Et s'il n'y a pas du LeBron et du AD, eh bien, il y aura des espaces. Et s'ils sont là, eh bien, il voudra être compétitif. Donc, voilà.
comme d'hab, je le rappelle, vous ne faites pas les bolos, vous faites les grands copains, bien évidemment. Et on va pouvoir finir là-dessus. J'ai deux options. Il est minuit 44. Je peux faire durer le live pendant encore un quart d'heure, mais moi, il faut que je taffe, là. Je peux pas faire là un quiz pendant un quart d'heure parce que j'ai des trucs à faire. Donc, soit je laisse le live comme ça et je le reprends juste dans 10 minutes. Donc, moi, je peux rester, mais juste, je peux pas faire de l'animation, là, parce qu'il faut... Enfin... Moi, j'ai des fucking réseaux sociaux à devoir gérer après, là, au moment de l'annonce des titulaires All-Star, quoi. Donc, je vais voir. Je vais voir. Pour le moment, je reste. Ouais. Est-ce qu'on peut se taper l'annonce Je vais voir si on peut se taper les annonces en direct sur TNT. Je pense qu'il doit y avoir si je mets le League Pass, non? Je pense qu'il doit y avoir. Sur le League Pass, à mon avis, ils vont mettre les... Je sais pas s'il y en a, vous êtes sur le League Pass ou pas? Voilà, si vous y allez, évidemment, je vous souhaite une bonne nuit. Hein. Mais ceux qui veulent, on reste encore un quart d'heure, et dans un quart d'heure, on va avoir les titulaires du All-Star Game qui vont être annoncés. Donc, je vais juste checker, au cas où. Si ça se trouve, je peux regarder ça sur le League Pass. Ah, ça serait pas mal quand même, hein. On va pas se mentir. Est-ce que je peux... Juste, voilà, merci, ok... Est-ce que je peux juste les regarder, par exemple? Genre, je sais pas. C'est quel match, du coup, qu'ils vont mettre sur TNT? J'imagine que ça va être le Nuggets-Knicks, non? Putain, ils vont pas mettre ça. Je crois pas que ça leak les titulaires, encore. Hein. Je vérifie sur Twitter, mais je crois que ça a pas leak. Et de toute façon, moi, il faudra que j'envoie des tweets. À partir de 1h du matin, ou en tout cas dès qu'il y a des infos qui tombent, moi je vais pas vous mentir, ça va devoir tweeter un peu. Donc ce sera pas la fin de live la plus légendaire du monde, mais par contre on fera du react en direct, voilà. Donc tu sais quoi, je vais le tweeter, on va faire des... Allez, tu sais quoi, regarde, voilà, vous voulez que je fasse un truc drôle, voilà, vous allez, ça va vous faire marrer, c'est génial, regardez, c'est super, vous allez voir ce que c'est que de tweeter. Quoi de neuf? Ok, donc on est en direct sur Twitch, MDR, si vous voulez react en live sur les annonces de titulaires All-Star, titulaires du All-Star Game 2024, et bah viendez, cœur, voilà, avec un cœur. Ça c'est du community management, ça, tu vois, ça c'est du grand art, voilà. Ok, bon, on est en direct sur Twitch, MDR. Si vous voulez react en live sur les annonces de titulaires de l'Ostergame, et bah viendez. Et bah viendez, point d'exclamation. Annonce à 01h00. Twitch.tv. Twitch.tv/trashtalkfr. C'est ça, non? Ouais. Allez, hop là. Je vais mettre un petit emoji flèche de droite. Voilà, une chose toute simple, c'est ça qu'on aime, c'est tout simple, bravo, et je vais même mettre le lien deux fois, parce que sinon ça va me faire chier avec le Tumble, allez hop. Hop là, formidable, yes, le tweet est envoyé, alors, je me remets juste ici, je pense pas que je pourrais avoir le leak pass, je pourrais avoir le leak pass, je suis pas sûr. J'essaie juste de trouver un moyen d'avoir notamment l'émission diffusée en direct parce que j'ai pas commencé à balancer du stream. Hein. Je n'ai pas envie de me faire strike dans tous les sens. Si vous avez bien évidemment du stream, vous le balancez entre vous. Hein. Moi, je ne suis pas, je ne fais pas la promo du stream. Mais après, si vous avez quoi que ce soit, bah allez-y, foncez. Donc je rappelle que ce sont les titulaires qui vont être envoyés dans 12 minutes. Et voilà, bah le pré-game, là, je peux pas voir le pré-game, là. Vous pouvez me sign in to watch? Est-ce que tu peux me sign in, s'il te plaît? Oui, ça c'est moi. Dis-moi que je peux regarder.
qui va les annoncer. C'est sur TNT qu'on a notamment nos amis Ernie Johnson et compagnie qui sont en direct avec Shaq et toute la clique, notamment pour annoncer les titus. Donc, ouais, non, pour le moment, il y a... pardon. Excusez-moi pour le son. Non, voilà. Ça, c'est justement ce que je voulais éviter. C'est essayer d'avoir des liens dans tous les sens qui partent. C'est Shaq et Shaq, tout à fait, qui vont annoncer les trucs. Moi, pour l'instant, je vais préparer juste mes petits tweets parce que vous êtes sympas, mais il va falloir que j'annonce quand même ces bêtises. Mais je rappelle juste, pendant ce temps-là, les derniers votes. Comme ça, vous avez un peu l'image, quoi. Les résultats des votes des fans, on va dire. Il y a quelques heures. Voilà, c'est juste ici. Allez, hop. Comme ça, je vais pouvoir remonter. Après, je ferai mes petits résultats. NBA on TNT. Voilà. Normalement, il y aura les annonces qui seront faites sur... Ouais, c'est ça, c'est sur TNT. Hein. Bon, désolé si c'est pas très clair. Je vous remets juste les votes au moment où on parle. Donc voilà, on avait dit hein, plutôt du LeBron, du Jokic et du KD. Et sinon, bah, y a du Luka Doncic en quasi-sûr. Et puis après, bataille entre Steph et Shai Gilgeous-Alexander. Et de l'autre côté, Yanis Embiid et Tatum quasi-sûr. Et ensuite, Tyrese Haliburton et... Qui ça? Qui ça? On verra. Qui ça? Ça peut être un peu la question. Hein. Peut-être qu'il y en a d'ailleurs dans la commune là, qui ont du lien. Je regarde sur Twitter. On est bien dû. Ouais, bah bonsoir à ceux qui me rejoignent. Je sais que l'ambiance est terrible, mais on va faire du react en direct. Voilà. Puisque dans quelques minutes, on aura les annonces de All-Star. Bon, j'espère que vous allez bien. Je me demande justement, moi aussi, si on peut le voir sur le League Pass. C'est ça qui me fucked up. Mais je pense que oui, normalement. Moi, pour moi, c'était genre en mode... je vais regarder sur l'agenda NBA, mais pour moi, ouais, c'était... Ah, c'est le Heat Celtics. Ok, c'est sur le Heat Celtics qu'il faut que j'aille. C'est sur Miami against Boston. Que là, si je peux avoir le... Si je peux avoir le live sur le NBA League Pass. Parce qu'en gros, regardez, voilà, je vous montre juste. Hein. Je suis sur mon NBA League Pass. Rivals Week, avec la magnifique tête de Jimmy Butler. C'est vraiment un troll absolu quand même, le mec. Hein. Il nous a mis cette tête et du coup, voilà. Et donc, bah, si vous êtes connecté, vous pouvez notamment regarder... je pense qu'on peut regarder TNT. Et auquel cas, je couperai le son. Pour vous partager ça. Je vais pas me faire strike, quand même. J'espère pas, putain. Reveal en direct, est-ce qu'on va me faire chier là-dessus? Je monte la télé, je monte TNT. Bon, je sais pas. Pff, écoutez, on verra. On verra, ce sera YOLO. Plus que 10 petites minutes, on verra. Et je rappelle que la semaine d'après, on aura l'annonce des remplaçants par les coachs. Ce sont les coachs qui choisissent notamment les 7 remplaçants. 2 guards, 3 forwards et 2 wildcards. On me dit si Curry est titulaire, c'est chaud. Je dois avouer que Steph, s'il est titulaire devant Shai Gilgeous-Alexander, je pourrais comprendre qu'on dise « Ouais, c'est abusé. » Voilà. Ouais, non, mais c'est sûr, je vais me faire strike, donc je vais pas prendre ce risque-là, hein, je vous cache pas. En tout cas, ce serait un peu con vu le travail fait jusqu'ici. J'aimerais bien éviter ce genre de choses. Voilà. Bon, je garde le clavier de côté, et puis dès qu'il y aura du neuf, je vous tiens au jus, mais pour le moment... Rien de spécial. La NBA qui nous dit qu'il va donc y avoir des playoff rematch entre Stephen Curry et De'Aaron Fox, en effet, dans les prochaines minutes. D'ailleurs, on va voir les débuts de Doc Rivers, là, bientôt, là. C'est quand, là? Je vais regarder... Doc, il va nous coacher quoi? Je regarde sur le calendrier. Doc, il va nous faire ses débuts contre Cleveland, là? Là, vendredi? Là, demain, là? Ah, c'est bon, là. Ouais, les Cavs, hein. Franchement, je suis très très chaud. Et on va avoir du coup les débuts aussi. Washington. Ouais, les débuts de Chief Keef face aux Pistons. Oh, bah voilà. Wizards Pistons pour démarrer. Pff. Bah.
Qui choisit les coachs pour les équipes All-Star? Eh bien, ce sont les coachs des meilleurs bilans, tout simplement au moment où le All-Star Game arrive. Voilà comment ça se passe. Sachant que tu peux pas être coach All-Star deux années de suite. Donc, je sais plus qui c'était la dernière. Je sais plus qui était coach l'année dernière, franchement, c'était une anecdote totale. Mais je pense que là, ça va être safe pour Degno ou Chris Finch. Mazzulla, qui l'était, ce sera pas lui. Donc je pense que du coup, ce sera Doc Rivers. Ah mais du coup, c'est Doc Rivers qui... Attends, non. Eh, juste découverte absolue là. C'est Doc Rivers qui va être coach All-Star là. Eh mais l'escroquerie de ce mec, pardon, mais je suis désolé. Mais c'est quoi cette escroquerie absolue? Non mais... C'est pas possible. Le mec va pas débarquer la fin janvier et être coach All-Star. Ouais les gars, ouais les KD. Tu vas de ce côté-là, toi t'es à l'ouest. Je veux en savoir. Non franchement, c'est... je suis choqué. Hein. S'il est coach de la conférence Est... Putain... Bon, je le tweeterai un peu plus tard. Allez là, balancez quelque chose là. Moi j'ai envie d'avoir mon League Pass qui m'envoie du... Oui voilà, il y a les Knicks qui sont en train de s'échauffer. Bah ouais, bête de soirée en plus, bête de soirée de match. Ça va être incroyable. Par contre je préfère être très clair, ça va être un react très rapide. Hein. Parce que moi après, vous êtes sympa mais faut que je me tape... je vais devoir tweeter plein de conneries. Ensuite je vais devoir annoncer tout ce que je vous ai dit là. C'est-à-dire les remplaçants la semaine prochaine de machin. Qui a eu le total de vote. Ensuite il y a Insta, il y a tous les trucs. Il y a l'équipe de rédaction qui va gérer et tout mais... Je pourrais pas rester là. Et ensuite, derrière, ça enchaîne. C'est-à-dire qu'il y a des matchs qui vont commencer. Donc, on fera ça en go fast. En go fast. Voilà. Dans tous les cas, j'en profite là pendant les dernières minutes. J'espère que vous, ça va. Que 2024 a bien démarré là. Hein, vous n'êtes pas trop malade et que ça se passe bien de votre côté. Qu'il n'y a pas trop de soucis de santé. Faites attention à vous et à vos proches. Hein. C'est un gros marathon la NBA. Donc à chaque fois il y en a là, oui et tout, faut dormir, faut faire des trucs, se reposer, oui, tout à fait, on ne rigole pas avec ça. Parce qu'à chaque fois on est là toutes les nuits et tout, mais faites attention à votre sommeil, faites attention à vous. Tu dors quand dans tout ça? Eh bien justement, je fais gaffe. Parfois vous ne me voyez pas dans les matinées ou dans les débuts d'après, mais donc je fais en sorte de rester en bonne santé. Ou même parfois de ne pas regarder un match une nuit et de me réveiller et me faire les replays. Ça y est, j'ai rejoint, je suis pas habitué à cette team. Mais bon, ça va, c'est par petite dose hein, pour le moment. Hein. C'est... J'ai là quand même une majeure partie du temps la night, mais moi, c'est bon, hein, je fais gaffe. Hein. J'ai fait le bolos pendant suffisamment d'années, maintenant, c'est safe. Hein. Sur la bouffe, sur le repos et tout ça, y a... je vous rassure tout de suite. Je ne suis pas du tout le con, donc on est là sur le long terme. Donc voilà. Mais j'espère que vous, ça va de votre côté et que vous démarrez 2024 avec le couteau entre les dents, quoi. Hein? Allez, envoie-moi si t'as... Oh. Oh. Ok. Alors, je suis désolé pour le son, va falloir que je coupe un peu. Moi, c'est bon. J'ai mon League Pass. Si vous avez le League Pass et que vous allez sur le lien Celtics Heat, moi, c'est bon. Ça me met que l'événement va démarrer dans très très peu de temps. Et donc, je pense que dans 3 minutes, quand même, ils vont pas faire les crevards. Je pense que dans 3 minutes, ça va prendre l'antenne et que ça va nous annoncer les All-Stars. Je pense. Je dis ça, je dis rien. Mais faut nous envoyer la sauce, là. Qu'est-ce qu'on nous annonce, là, un petit peu sur les réseaux? Non, il n'y a pas grand-chose. Allez, là, envoyez, là. Ah tiens, je prends 2-3 questions là, juste. Enfin, je prends 2-3 réponses de votre part juste avant que ça commence à 1h. Non, je pense que ça va commencer à 1h pile, ils vont commencer les explications et à 1h05 on aura les annonces. Mais je pense que ça va être. Ça va pas être spoilé, je pense pas. Parce qu'ils sont assez bons TNT là-dessus. Mais je pense que. Ils vont envoyer des tweets avec le compte de NBA on TNT dès que ce sera safe, quoi. Pour le All-Star Game là, retour Est-Ouest, content ou pas content? Par rapport au système de Capitana et tout qu'on a vu ces dernières années où il y avait la draft et tout, LeBron versus Giannis, LeBron versus KD et tout. Content, ouais, retour Est-Ouest, oh, on est content. C'est bien, hein. Retour aux vraies choses. Hein. Est versus Ouest, c'est bien. Allez, on est content, c'est bien. Le peuple est content, donc moi aussi je suis content.
Mais c'est vrai que quand même, on aura vécu quelques grands moments. Et franchement, il y a eu des moments de draft. C'était quand? C'était l'année dernière, là, avec Harden, là, qui avait été transféré. Avec Charles Barkley qui disait ouais, t'inquiète, c'est bon, il est en forme, il peut jouer. Après que le mec ait refusé de jouer avec les Nets. Non, c'était il y a 2 ans. C'était incroyable. Allez, là, 2 minutes. 2 minutes et on va partir sur le reveal. Balancer le reveal, ça va être drôle. Donc désolé, vous allez souvent me voir comme ça, mais c'est parce qu'en même temps, je suis sur le phone, donc c'est pas ce qui est le plus sexy, mais j'essaierai de vous afficher le plus de choses, évidemment, sur le grand écran. Hein. Dès que j'aurai quoi que ce soit, et ben, bien évidemment, je vous montrerai ici. Attends, sur le compte Twitter préféré, ton compte Twitter préféré. Tadam. Allez, balancez-nous la sauce, là. Pas que ça va foutre. Ah oui, il y a aussi Playback TV là, qui fait des trucs pour des réactions en real time. Il y en a pas mal là, qui sont sur ça, la Playback TV. Je ne sais pas trop ce que ça donne. Je suis pas fan. Nous, on est bien comme on est là sur Twitch, YouTube et tout avec nos conneries. Vous êtes 2000, hein, 2000, 2000 à me regarder scroller. Je suis désolé pour ce contenu de très faible qualité, mais au moins, on en sent. Et il est 1h pile. Hein. On va voir s'ils sont bons. Allez, on envoie la sauce. Ah, alors moi là, j'ai un parquet du 8. Mais ça, c'est le NBA League Pass. Donc je vous le montre pas, parce que sinon je vais me faire... Fuck yeah, ok, j'ai TNT. Bon, donc moi normalement, sur League Pass, si vous l'avez, moi j'y suis et ils diffusent la cérémonie. En tout cas, l'annonce. Bah, je pense que le son, ça va le faire. On voit qu'en effet il va y avoir une belle petite opposition entre non je mets pas l'image en inversé hein. Je vais pas commencer à vouloir me casser la gueule Ah tiens, Scary Terry il est titu. Ok, Terry Rozier titulaire. Et oui, en effet, pendant ce temps-là, ils nous font toute la hype sur qui est All-Star, qui n'est pas All-Star. Je rappelle que ce sont les titulaires qui sont annoncés dans quelques minutes. Et voilà. Allez, c'est parti. L'émission qui commence. Et c'est parti. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent sur je-regarde-mon-téléphone.fr. Allez, annonce des titulaires All-Star. C'est parti. Il y a la valisette qui arrive, bien évidemment, avec Nicole Talbert, qui est du cabinet comptable et expert jury et avocat de la NBA, pour s'assurer que, hein, la fameuse enveloppe, là, comme à la Starac et je sais pas quoi, la valise et tout, bien sûr. Allez, je vais faire le reveal en même temps pour vous, comme ça, on va se marrer, ça va être formidable. Je rappelle donc qu'il n'y a pas trop de surprises sur les postes de forwards, à l'est et à l'ouest, probablement du Jokic, KD et LeBron, côté ouest, et du Joel Embiid, avec Jason Tatum et Monsieur Yannis Antetokounmpo dans la conférence Est. Sur les postes de gardes, un petit peu plus de débat pendant qu'ils sont en train de se dire bonjour. Tyrese Haliburton, très probable en tant que titulaire, évidemment, à l'Est. Et ensuite, on verra Luka Doncic aussi à l'Ouest. Et cette bataille pour le deuxième spot, est-ce que ce sera Shai Gilgeous-Alexander? Est-ce que ce sera Stephen Curry à l'Ouest? Ou bien, est-ce qu'à l'Est, on aura du Trae Young, du Donovan Mitchell, du Damien Lillard, ou du Jalen Brunson, ou du Tyrese Maxey? On va voir ce que ça donne. Charles Barkley qui parle, donc évidemment, on n'écoute pas. Désolé, hein, c'est gratuit. Voilà, je vous laisse évidemment vous installer, juste pour vous dire, moi je suis sur le NBA League Pass, et donc TNT, vous allez sur la rencontre entre Boston et Miami, et vous avez le tip-off, l'émission présentée par TNT. Voilà. Et après, si vous avez des liens, vous vous débrouillez entre vous, mais ça va être formidable. Allez, la mallette est ouverte. Vas-y mon Ernie. Ah, le front court de l'Est pour commencer. Allez, et c'est monsieur Charles Barkley qui commence. Chuck, finish the joke. Okay.
Allez, mesdames et messieurs, dans le front court de l'Est, Giannis Antetokounmpo. Putain, il sait même pas le prononcer, quoi. Allez, Giannis titulaire, bien évidemment, c'est parti. Giannis. Et c'est très bien. Giannis titulaire All-Star. C'est très bien. Ensuite. Ça, pas de problème, hein. On le savait. On n'aura pas trop de surprises normalement pour la suite, hein. Allez, balance-nous ça, Chuck. Giannis. Joel Embiid, bien évidemment, qui est lui aussi titulaire All-Star. Pas de problème, on devrait donc avoir Monsieur Jason Tatum pour finir tout ça. Je suis en train de balancer des tweets en même temps, hein. C'est un truc particulier, vous avez le son dans l'oreille. Faut animer le live et en même temps tweeter. Bon, ça, pas de problème. Allez, Joel Embiid, pas de problème. Normalement, on finit avec Tatum. Pas de surprise. Allez, monsieur Jason Tatum, c'est bon. Putain, c'est sur le backcourt, là, je sens que ça va hurler. Ah ! Moi, ça me fait kiffer quand même. Je sais que le All-Star Game, c'est plus trop ça pour pas mal de monde. Mais moi, franchement, ça me fait bien kiffer. C'est toujours cool, quoi. Je sais pas, c'est une grosse récompense, là. Tous les lundis, on en parle, on est là, genre, ouais, machin, il est All-Star et tout. Le front court. Joel Embiid, Giannis. Et Tatum, franchement, c'est safe. Hein. C'est trop, trop bien. Et il y a un écart. Hein. Genre, Jimmy Butler et Jalen Brown, ils sont loin. Paolo Banchero, c'est loin. Porzingis, c'est loin. Adebayo, c'est loin. Pas de surprise pour le moment dans la conférence Est. Front court, très, très classique. Je veux voir un petit peu le chat. Est-ce que vous êtes avec Tyrese Haliburton? Et si oui, qui vous avez à ses côtés? Brunson, Mitchell, Maxi, qui est à vos côtés sur le backcourt de la conférence Est? Trae Young. Allez, les guards. C'est pour Kenny Smith. Il le clash sur Giannis. Tyrese Haliburton, c'est safe. Tyrese Haliburton, titulaire. Et en plus, il représentera la maison puisque c'est à, justement à Indiana que ça se passe. Allez, le deuxième garde. Oh putain, je sens que ça va être drôle. C'est l'heure du react. Allez. Est-ce que c'est Trae Young? Est-ce que c'est Damien Lillard? Est-ce que c'est Donovan Mitchell? Est-ce que c'est Tyrese Maxey? Ou est-ce que c'est Jalen Brunson? Oh. C'est Lillard. Oh non. Non. Oh non. Oh non. Non, franchement. Non, pas d'accord. Oh non, pas d'accord. Non, 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 pas d'accord. Alors là, pas d'accord. Non, franchement. Ah, je suis désolé. C'est pas qu'il fait une saison nulle, mais franchement. Oh non. Ah, je suis déception. Ah, je suis déception de ouf, là. Oh non, non, franchement. Ah, ça va créer des problèmes. Oh. Mais vous vous rendez pas compte? C'est que derrière, il y a une bataille sur les postes de garde entre Trae Young, Donovan Mitchell, Jalen Brunson et Tyrese Maxey, sachant qu'il y a maximum 4 gardes. C'est-à-dire qu'il y a 2 gardes sûrs et 2 wildcards. Oh non. Haliburton first, Trae Young second, Lillard third, media vote. Non, franchement. Ah, je vois les gens, ils sont. Damian Lillard was fifth,
Oh là 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 là. Donc du coup, je vous refais un petit récap, bien évidemment, des titulaires à l'Est. Attendez, je vais l'avoir là, voilà, NBA.com. Oh, non, désolé, on fera le récap après, ça passe à l'Ouest. Alors à l'Ouest. Bon, normalement, il ne devrait pas avoir de problème sur le front de courte. Jokic, LeBron, KD. Allez. Fuck. On va devoir débattre après sur les remplaçants parce que c'est un bordel. Hein. LeBron! Pas de surprise, LeBron titulaire pour la 47e année de suite. Magnifique encore, dominant. LeBron dans le texte. Le mec, il a des meilleures stats limite que sa 2 ou 3e saison NBA. Pas de problème. LeBron, Jokic et KD. Normalement, dans cet ordre-là. Bon, allez, LeBron, KD et Jokic. Mais normalement, ça devrait être safe. J'étais pas prêt pour Lillard. J'étais pas du tout prêt pour Lillard, franchement. KD, c'est bon, c'est validé. Kevin Durant aussi, les All-Star. Titulaire, évidemment. Kevin Durant, ça là-dessus, pas de doute. C'est bien joué. C'est pour KD. 14e All-Star Game pour KD. Ça fait le taf. Là, c'est de savoir si ça va être Shaggy Alexander ou Stephen Curry. Et si c'est Steph, le chat. Fuck. Non, franchement. Allez, on attend plus que Monsieur Jokic et Monsieur Luka Doncic. Et après, on devrait voir ça. LeBron, KD. On veut le Joker. Et le Joker, c'est bon, c'est officiel. Il sera bien à Indiana en tant que pivot titulaire. Nikola Jokic. Jokic, bien sûr. Il est là. Il est là, le Joker. Classique, bien évidemment. Je vous rappelle, je ferai le récap à la toute fin. Là. Après les annonces, on fait un petit récap de ce qui a été annoncé, notamment Damian Lillard. Et après, on fera un petit débat sur les remplaçants parce que là, c'est le bordel. C'est le bordel. Donc pour le moment, on a LeBron, KD et Jokic. Allez, ils vont nous annoncer un petit Luka Doncic. Et je retrousse mes manches. On veut Shai Gilgeous-Alexander. Ça va être la révolution si c'est Steph. Les gens vont être dans la rue. Bouh! Allez, balancez le bac courte. Luka Doncic, c'est safe. C'est annoncé. Allez! Et ils ont gardé le suspense jusqu'au bout. Luka Doncic, c'est bon. On a Jokic, KD, LeBron, Luka. Est-ce que ce sera Shai? Est-ce que ce sera Steph? Mesdames et messieurs, ça va tomber dans quelques secondes. Est-ce que la fanbase du Thunder va exploser? Est-ce que les Warriors vont foutre du sel partout sur la commu? Shai Gilgeous Alexander! C'est bon, c'est lui! Shai Gilgeous! C'est bon, c'est officiel! Ah, plaisir! Et donc, il prend la place de Monsieur Stephen Curry là-dessus. C'est bon, c'est validé. SGA, Shai Gilgeous, c'est fait. Magnifique pour l'arrière du Thunder. Ça, c'est bon. Je vous montre donc le récap complet de ces petites sélections. Ouh! Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, on revient au tout début, bien évidemment, dans la conférence Est. Je vais pouvoir justement, attendez, juste couper le son, parce que là-dessus, on est bon, hein. Merci. Allez, toi, tu te tais, et toi, on met du son. C'est parti. Voilà, normalement, sur le son, on est bon. Petit récap, merci à celles et ceux qui étaient là jusqu'au bout. On a donc l'annonce officielle des titus. Juste, excusez-moi, je fais un dernier tweet, et après, voilà ce que ça donne. Juste, excusez-moi, je mets le 5 majeur de la conférence Est. Je mets officiel, le 5 majeur, officiel. Je demande juste 2 secondes. Officiel, les titulaires du All-Star Game 2024. Hein. Voilà, hop. À l'Est. Je fais juste un double tweet et ensuite je suis avec vous. Hop là, excusez-moi. C'est parti, comme ça c'est fait.
Faire tout à la fois là dans le même live, c'est un délire. Hein. Allez hop, comme ça c'est posté. Et ensuite, je vous montre le récap complet et on sera bien content à l'Ouest. J'espère que c'était pas trop bizarre de me voir juste comme ça, tête baissée. C'était pas très glamour. Mais au moins, on va pouvoir kiffer. Allez, je vous fais le récap, comme ça c'est fait. Et on va pouvoir ensuite enchaîner sur les matchs. Donc qu'est-ce que ça donne? Eh bien, c'est très très simple. Dans la conférence Est, nous avons eu les annonces suivantes. Giannis, évidemment, titulaire, avec Monsieur Joel Embiid et avec Jason Tatum sur le front de courte, pas de surprise. Ensuite, un petit Tyrese Haliburton à domicile pour sa deuxième sélection All-Star. Et puis Damian Lillard, qui a étonné pas mal de monde. J'avoue, il y a plein de gens qui sont un peu en PLS. On va en rediscuter. À l'Ouest, LeBron James, annoncé capitaine, ce sera face à Giannis, donc côté conférence Est. Il a à ses côtés dans le fond de course Monsieur Kevin Durant, Monsieur Nikola Jokic. Et les deux beaux joueurs sur les postes de guards, et notamment un nouveau, c'est qu'aux côtés de Luka Doncic, déjà 5 All-Star, Monsieur Shai Gilgeous Alexander, qui prend donc la place de Stephen Curry. Ça s'est joué au buzzer. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours, notamment avec les détails des votes, parce que ça va tomber très très fort. Là, on verra un petit peu ce que ça a donné. Là, les informations, je vais les envoyer sur les réseaux sociaux dans les prochaines minutes. Qu'est-ce que ça va créer maintenant? Des annonces, donc évidemment, qui sont faites pour les titulaires. Dans une semaine, l'annonce des remplaçants. 7 remplaçants annoncés par les coachs. 7 à l'Est, 7 à l'Ouest. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, on a fait des apéros avec Alex à l'Est et à l'Ouest. Vous avez obligatoirement 2 guards, 3 forwards, 2 guards, 3 forwards et ensuite 2 wildcards. Vos wildcards, ça peut être un guard, un forward ou 2 guards ou 2 forwards. Ça veut donc dire que là, avec ce qui s'est passé dans la conférence Est avec Damian Lillard, on va avoir une bataille de guards entre Trae Young, Donovan Mitchell, Tyrese Maxey et Jalen Brunson. Il y a peut-être quelqu'un qui va se retrouver sur le côté. Chez les forwards à l'Est, qu'est-ce qu'on devrait avoir? Peut-être du Jalen Brown. On devrait peut-être avoir aussi d'autres garçons comme Bam Adebayo, Paolo Banchero, aussi qui a été beaucoup dans la conversation. D'autres garçons qui vont être en compétition. On sait aussi que dans la conférence Ouest, maintenant que Shai a été sélectionné, pas trop de décalage, Steph est donc chez les remplaçants. Mais ça va créer aussi tout un tas de débats sur les joueurs qui vont être sélectionnés. Est-ce que vous avez Rudy Gobert? Est-ce que vous avez Domantas Sabonis? Est-ce qu'il y a un seul représentant de Minnesota? Est-ce que vous en avez qu'un seul du côté de OKC? Est-ce que vous avez juste Nikola Jokic ou un petit Jamal Murray qui l'accompagne? Est-ce qu'il n'y a que Kawhi côté Clippers? Ou est-ce que vous mettez aussi Paul George? Tout ça, on le suivra. Alperen Sengun, qu'on attend très fort. Moi, je l'ai mis dans mes remplaçants de la conférence Ouest. Ce qui est sûr et certain, c'est que moi, je vais vous laisser. Ça fait quand même un live de 2h20, je vais pas vous mentir. Donc, je vais souffler une demi-seconde, je vais me mettre devant les matchs, faire les postes qu'il faut. Ceux qui vont se coucher, je vous souhaite une très bonne nuit. Ceux qui veulent bitcher sur Damian Lillard, eh bien, faites-vous plaisir. Ceux qui vont aller regarder les matchs, on se retrouve dans quelques minutes. Vous êtes des amours, très très bonne soirée à toutes et à tous. Et on se retrouve bientôt, évidemment, dans Allez Café. Et puis, évidemment, on débattra de tout ça et de tout ce qui s'est passé au niveau des All-Stars dans les prochains jours. Très bonne nuit à tous. Merci pour votre présence et pour vos petits subs. Je vous embrasse très fort et je vous aime. À la prochaine. Ciao.